Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, de Bruce and Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux balles de pitard. C'est le Marcus, Marcus, de Bruce and Lazarus, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, c'est pas moi. Avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES. Au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins des software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. Atari et au dans la Chewbacca entre deux pains de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us, Marcus, Marcus, the first and last of us, Marcus, Marcus, the first and last of us. Marcus, the first and last of us. Marcus, 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 Marcus. Ah bon, c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à la maison, comme tous les jeudis soirs, on est bien chez Marcus, c'est ce que j'ai mis sur mon répondeur, mais c'est vrai aussi pour Twitch en fait. Salut mes jolis, salut mon Vlacero, salut Makira, salut Zenkai, allez Goldorf, bon anniversaire mon Goldorf, dis donc, on a pris un petit coup de vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, tu changes pas depuis que je te connais, donc ne change rien, c'est parfait, bon level up, j'espère que les festivités ont été... à la hauteur, voilà, on va t'en profiter pour souhaiter tous ensemble un bon anniversaire ce soir. Franchement, il le mérite, les amis. Souvent, il vient me voir sur les salons avec des tas de cadeaux pour moi, mais aussi pour vous. Et il y a pas mal de cadeaux que je vous ai fait gagner qui étaient de la part de l'ami Goldorf. Donc, vous pouvez l'applaudir bien fort, lui mettre des gros pouces, des gros cœurs, tout ce que vous voulez, parce que franchement, il le mérite. C'est un petit gars adorable, on se voit souvent sur les salons. Merci Val de Bayonne, c'est encore un autre petit gars adorable, ou une fille, je ne sais pas. Et vraiment, voilà, c'est un bonheur à chaque fois, et vraiment, il vous gâte, autant qu'il me gâte. J'essaie de faire en sorte qu'il me gâte moins, parce que j'ai plus de place pour mettre les jouets, donc autant qu'ils aillent chez vous. Mais en tout cas, voilà, un bon gars, Goldorf. Et je suis fier d'avoir dans ma communauté, comme vous tous d'ailleurs. Chaque fois, je raconte aux gens ce qui se passe ici le jeudi soir, et ils me croient pas. Tellement c'est incroyable, c'est vrai. Je vois que Mixelda est là, je vois que Papa Nours est là, je vois que Audrey Outforce est là. Oui, la dernière BD, très bien, merci mon Goldorf. Oui, oui, c'était excellent. Bonsoir à Zigouigoui, mon Dindin est là pour veiller sur nous ce soir. Encore une fois, le Timur, ça ne doit pas être très loin non plus.
J'imagine que le Snakehead est mon trio gagnant. Mes amis modérateurs, streamers, Twitchers, je ne sais pas comment dire, en tout cas, ils sont multi-casquettes. Voilà, le Snakehead est là, tout le monde est là. Et puis, bah, les habitués, Ray du Plombier, Fondu Casson Marron, ma petite Jade, Fred Asbin, c'est joli ce pseudo. Steven Cine Gaming, oh, on découvre quoi ce soir, Steven? Eh bien, Monkey Island, Return of Monkey Island, on attendait ça depuis très longtemps. Il y a eu pas mal d'autres Monkey Island depuis les premiers, mais celui-là, voilà, le vrai retour de Ron Gilbert, Dave Grossman, les créateurs de base, avec, vous allez voir, des graphismes assez particuliers, mais que je trouve moi bien sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc mon idée, on avait pensé faire la nouvelle saison de Fall Guys, ce qui aurait été une bonne idée, on aurait pu jouer ensemble, on le fera, je vous rassure. Simplement, j'ai vu que voilà, Monkey Island arrivait, je me suis dit, je peux pas passer à côté, il faut que je le fasse tout de suite. J'ai trop envie. D'une part, j'ai envie, c'est comme ça. C'est mon Twitch, je fais ce que je veux. Mais surtout, je me suis dit que ça vous ferait très plaisir, donc ça, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, je suis invité par l'ami Fred Zolf à venir faire un livre dont vous êtes le héros. Super concept. Et il va me lire un livre dont vous êtes le héros, et moi, je vais jouer. Voilà, avec vous, d'ailleurs, j'espère. Donc, ça ne sera pas streamé sur ma chaîne, je vais me contenter de hoster. Ce sera sur la chaîne de Fred of the Dead. Bien sûr, on restera, et bien sûr, je vous inviterai à nous rejoindre sur sa chaîne pour qu'on puisse voir vos réactions dans le chat et vos suggestions, puisque on va essayer de jouer tous ensemble, ça peut être assez génial. Voilà, du coup, ça aura reporté à dans deux semaines Monkey Island, et je trouvais que c'était un peu tard, j'avais envie de le manger tout de suite, c'est terrible. donc, dès que je l'ai vu, paf, je suis allé sur le store de la Switch et je l'ai pris. Il est que sur Switch et sur Steam pour le moment, pas sur les autres consoles. Donc, j'ai branché la Switch. On va voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner jusqu'ici. Donc voilà, tout va bien. Voilà pourquoi c'est Monkey Island ce soir. J'ai le droit, merci mon Blasero. Et Monkey, c'est du poulet, dit le raton lover. Le raton lover qui va directement être nominé pour la meilleure vanne. Hein. C'est comme ça que ça commence ici. D'ailleurs, je rappelle aux petits nouveaux qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient nouveaux sur le sim. Voilà, par exemple, Despo arrive. Le Procession to Cavalry, mais bien sûr, on l'a fait ici. J'ai fait en level 1 et je l'ai fait ici. On l'a fait ensemble, tous ensemble. Et c'était génial. Donc j'espère que ce soir, on va bien se marrer tous ensemble. Donc pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Déjà, rien que pour que je vois vos pseudos, puisque je récompense les meilleurs pseudos. Par exemple, Couscous Merguez Tatooine a déjà gagné. Prou de Paillette a déjà gagné. Pâte d'Ours au Miel a déjà gagné. Kill Beef a déjà gagné. Raton Lover a déjà gagné. Vous voyez qu'il y a du level dans le pseudo. Hein. Il ne s'agit pas de s'appeler Kevin 666 ou Naruto du 9-3 pour que ça fonctionne. Donc si vous mettez des bons pseudos, regardez. Fond du casson marron, Yoda Monde en Valcon, tout ça, ça a déjà gagné, tout ça. Syntaxe erreur, j'adore. Donc, n'hésitez pas. Seb Meister n'a jamais gagné. Ah oui, mon Seb, mais du coup, c'est ton pseudo, faudrait que tu le changes juste pour le principe, un petit peu. Monsieur Pot de Satan, t'as déjà gagné aussi. Oui, Ray du Plombier, je pense aussi. Perceval le Gaulois aussi. C'est les choses sages. Donc, il y a toujours un petit cadeau pour le meilleur pseudo. Le meilleur pseudo ce soir repart avec un perroquet. Oh, Nanobloc! Puisqu'on est dans le thème des pirates, j'ai trouvé des super cadeaux ce soir pour vous. Les Nanoblocs, vous connaissez le principe, comme les Lego, mais en tout petit, c'est pour les grands, on va dire. C'est beaucoup plus difficile à faire que des Lego. Bon, bah, c'est pas difficile non plus, mais voilà, c'est assez subtil et ça fait des très jolies choses, dont ce perroquet. Vous voyez la taille des briques par rapport à des Lego, c'est vraiment petit. Voilà. Donc, petit sachet, d'accord? Pour un bon pseudo, c'est déjà bien de faire un bon pseudo. Mais celui qui fait la meilleure vanne, lui, attention, c'est plus de la rigolade, c'est plus un petit sachet qui va gagner. Regardez bien. On ne voit même plus derrière tellement il est grand. Regardez la taille. La taille de ce bateau. Regardez la taille de ce coffret. C'est juste incroyable. Un vrai bateau pirate a gagné ce soir en nanobloc. J'essaie de nous faire voir un peu. Essayez d'éviter les reflets. Voilà, regardez les détails et tout. Il est assez fabuleux. Il a la classe International. Voilà, et ça, ce sera pour ceux qui fera la meilleure vanne ce soir. Il est magnifique, on est d'accord, Alex Kawai. Il est superbe. Donc là, il va falloir se surpasser en termes de vanne, surtout qu'on joue à un jeu très drôle déjà de base. Donc voilà, soyez fort, soyez grand, soyez bon. En plus, vous repartirez avec un cadeau, en plus de nous avoir fait rire. Sachant que je vous connais bien, le simple fait de nous faire rire vous suffit. Suffit à faire votre bonheur, même quand les cadeaux sont pas terribles. Il y a toujours des bonnes vannes, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, n'hésitez pas
balancer des vannes. Et si vous êtes nouveau, que je ne vous ai jamais vu, faites juste un petit coucou pour que je vois vos pseudos, parce que tant que vous n'intervenez pas dans le chat, je ne vois pas les pseudos, malheureusement. Donc je ne peux pas nominer votre pseudo. Je n'ai pas le temps dans la soirée d'aller voir qui est là et qui sont les nouveaux pseudos. Par exemple, Marker. Voilà, on ouvre les vannes. Oh, ma Marker qui va être nominé pour la meilleure vanne dès le début, en plus. Voilà, il ouvre la bouche, bam, il fait une vanne sur les vannes, en plus. Oh, c'est complètement méta, c'est du multivers ici. C'est absolument nul. Incroyable, absolument nul. Non, pardon, je vois Audrey Outforce qui dit « Je suis nul en vanne ». C'est pas vrai, Audrey, t'as déjà fait des trucs très bien. Donc voilà, ça va être super. Papa peut jouer. Oh, très beau pseudo aussi. Bien joué, Papa peut jouer. Papa peut jouer, papa va peut-être gagner des nanoblocks, allez savoir. On le nomine, mon dindin. Si jamais vous êtes nominé, n'hésitez pas à aller contacter l'ami New Dindin en privé pour lui donner votre mail ou un moyen de vous contacter. Parce que si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin du stream, à la fin du stream, c'est à la fin du stream, je nomine la meilleure vanne, je désigne la meilleure vanne et le meilleur pseudo. Si jamais vous êtes parti vous coucher avant la fin, ça peut arriver, on vous en veut pas, au moins on peut vous retrouver. C'est déjà arrivé que des gens gagnent, mais ils étaient allés se coucher, donc on les a pas retrouvés. J'ai gardé les cadeaux. Ah, et regardez, à cause de vous, regardez tout ce qu'il y a autour de moi, hein, donc je préfère vous les offrir. Je vois que Bernard le Viking est arrivé, je vois que ma French et Ginger est arrivé, je vois que Mr. Gobi est arrivé. Allez, bourse molle, en jeu, mais oui, il a raison, Mr. Gobi, on va pas traînasser. La Switch ne va pas lâcher par rapport à la PS5. Ah, j'espère, vous avez peut-être vu le level 1 d'hier soir, c'était l'apocalypse totale, c'est bien la preuve que c'est vraiment en direct, hein. Je jouais à Justice Sucks, qui est un jeu dans lequel on incarne un aspirateur connecté aux autres appareils ménagers de la maison. Et quand il y a des cambrioleurs qui viennent, et ben, il faut essayer de s'en débarrasser. Donc, par exemple, en renversant de l'eau d'une carafe et en mettant de l'électricité dedans pour les électrocuter. Et puis, une fois qu'ils sont assommés, vous pouvez même les aspirer et les broyer dans l'aspirateur. C'est assez drôle, assez gore et vraiment très très bien. Donc, j'étais ravi de vous présenter ce petit jeu débile que je kiffe. Sauf que au bout de 3 minutes de jeu, piouf, j'ai été éjecté, je me suis retrouvé sur le menu de la PlayStation 5. J'ai relancé une deuxième fois, pareil, au bout de 3 minutes, piouf, éjecté. Et la troisième fois aussi. Donc je me suis dit, allez hop, je reboot toute la console. Tout ça en direct, évidemment. Hein. On a que 25 minutes de level 1, il y avait déjà 5-10 minutes qu'on avait passé avec ça. Ce qui est quand même assez moche. Petit clin d'œil à Clo-Clo, très bonne vanne de Louis Lambrouille qu'on va nominer directement, mon dindin, pour la meilleure vanne. J'étais vraiment en panique, je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de lancer un autre jeu pour voir si ça faisait la même chose. Ça faisait la même chose. Je me faisais éjecter en cours de route. Pendant ce temps-là, c'était la panique à bord. Vous ne le voyez pas, mais tous les techniciens étaient en train de s'agiter pour essayer de trouver une solution, ou comprendre pourquoi ça ne marchait pas, etc. Ce que j'essayais de faire moi-même tout en meublant, donc c'était un peu compliqué. Julien, gentiment, est revenu sur le plateau pour m'aider à meubler. Voilà, bah alors Marcus, qu'est-ce qui se passe et tout, c'était trop drôle. Newtitaf aussi, qui avait fait Team Game avec nous, qui était encore là, qui n'était pas encore parti, qui est revenu aussi. Pour faire un petit coucou. Vraiment, je vous dis, c'est génial parce que j'étais vraiment dans la sauce et j'ai vraiment senti la solidarité de l'équipe. Tout le monde, même Pierre Boulet, depuis la régie, communiquait avec moi. On dit, bon, alors Marcus, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, ça se trouve, c'est ma femme à la maison qui utilise la console. Et du coup, comme c'est le même compte, ça arrive ça, ça m'arrive souvent. Le mardi notamment, je prépare les jeux que je vais tourner le mercredi en level 1. Et chez Game One, ils les préparent aussi de leur côté. Donc je suis sur un jeu, eux aussi sont sur le jeu avec mon compte, du coup ça déconnecte mon compte. Mais ça met un messageur très particulier qui est, vous avez été déconnecté car une autre console a utilisé votre compte. Donc le message est clair. Là il n'y avait pas ce message, il y avait juste merci de patienter, c'était un peu bizarre, j'avais jamais eu ce message. Et c'était bien ça en fait, sauf que ma femme n'était pas sur un jeu, elle était sur Disney+, avec le fiston qui voulait regarder Cendrillon, voilà. Et c'est ça qui nous éjectait. Et comme c'était pas un jeu, c'était pas le même message d'erreur que quand on met un jeu. Voilà, donc on a compris trop tard. Pierre a appelé en direct ma femme. Hey, Madame Marcus, il faut raccrocher la console, il y a des gens qui travaillent ici. Tout ça à l'antenne, c'était vraiment... Du coup, ça a fait un level 1 assez improbable. La solution qu'ils ont trouvée, c'était de me remettre la Xbox, parce que la Xbox, elle avait marché le matin. On avait tourné un level 1 avec Kayane. Sur Pang, grand classique du jeu vidéo.
Mais Kayane n'étant pas née à l'époque, elle ne le connaissait pas, donc j'ai fait découvrir Pang. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu avec des petites bouboules qui flottent en l'air, on tire dessus, la bouboule se divise en deux, on retire dessus, chacune se redivise en deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait plein de bouboules, et quand elles sont vraiment toutes petites, on peut les dégommer. Donc voilà, ça à deux, c'est super, on a fait un super level 1, vous verrez, il est très bien. Level 1 qui s'est terminé sur un boss de fin de niveau qui était assez costaud, et on s'y est repris à 2-3 fois, on n'a pas réussi à l'avoir malheureusement, on a continué hors antenne et on n'a toujours pas réussi à l'avoir. On a laissé comme ça. Et donc le soir, ils me remettent en direct, hein, tout ça en direct. Ils me remettent Pang. Évidemment, je repars au niveau où j'étais resté. Le boss de fin niveau, impossible à faire, enfin, difficile à faire à deux déjà. Et je me retrouve tout seul à devoir le faire. Donc c'est un peu comme si on me filait une roue de secours crevée, en fait. Et ça continue, et voilà. Et bon, j'ai trouvé la solution. Je suis revenu en arrière dans les niveaux, j'ai refait d'autres niveaux. Et vers la fin du level 1, comme je sentais que j'étais capable d'y arriver, j'ai retenté le boss de fin niveau, mais je n'ai pas réussi. Mais voilà, résultat des courses, c'était quand même un level 1 absolument épique. Donc tous ceux qui l'ont vu, Metal Slug, bonsoir. Tous ceux qui l'ont vu ont bien apprécié, je pense. Et finalement, le fiston a pu regarder Cendrillon, oui, tout à fait. Le nem du port, salut, Chies, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Le nem du port, salut, Chies, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Je vais nominer ce pseudo, je le comprendrai plus tard. On verra plus tard. Mais je sens que c'est drôle. Vous l'avez vécu en direct, voilà, il y en a pas mal qui étaient là. C'était assez drôle. Je ne l'ai pas vu, mais tu m'as spoilé, dit Kiba, oui. Ce sera rediffusé, mais évidemment, ce sera plus du direct. Puis voilà, du coup, t'auras le spoil, mais bon, c'était assez mythique, on est d'accord, Vlacero, c'était incroyable. Mais franchement, je regrette pas, parce que, bah, d'une part, j'ai déjà un jeu de moins à préparer pour la semaine prochaine, le jeu de l'aspirateur. Bah, j'essaie de gratter dès que je peux. Et d'autre part, bah, ça a montré que c'était totalement en direct, c'était pas truqué. Que quand on a des galères, on est vraiment une équipe soudée. Tout le monde vient aider. Et ça, vraiment, c'est con, mais ça m'a touché, en fait. Vraiment, sincèrement, ça m'a touché de voir toute l'équipe qui était là pour moi. Parce que je suis seul au front, à l'antenne, mais évidemment, il y a toute une équipe derrière. Et ils sont là quand ça merde et quand ça galère. Donc, vraiment, voilà, une équipe en or à Game One. Donc, je les embrasse. J'en profite pour leur dire que je les aime et que je les remercie. Et que depuis 25 ans, bientôt, d'amitié, bah voilà, c'est toujours des bons moments, tous ensemble, quoi. C'était cool! Pas vu, mais tu m'as donné envie, dit Pedrol. Oui, bah oui, je vous recommande de le regarder. D'ailleurs, à propos des replays, tous ceux qui sont chez Free, il y a une appli sur le téléphone qui s'appelle, le nom est bizarre, Oki, je crois, O-Q-E-E, très bizarre. Et c'est une appli qui vous permet de voir toutes les chaînes de Free sur votre téléphone, et y compris les replays. Et du coup, les seuls replays vraiment accessibles de Game One, Team Game One, Level One, ils sont là-dessus. Donc c'est le meilleur plan avec Molotov pour avoir des replays. Parce que nous, sur notre chaîne, sur notre site internet, il n'y a quasiment pas de replays. Sur la Freebox, des fois, c'est un peu dur à trouver. Mais sur cette appli, c'est génial. Oki, exactement, c'est ça, Vlacero. Donc je vous le recommande. Si vous êtes chez Free, c'est la meilleure façon de revoir des émissions de Level 1, de Team Game 1, des Retro Game 1, etc. Sans replay chez les aliens, oui, c'est ça, lui, là, oui. Et sur Molotov, il y a beaucoup de replay aussi. Tout à fait, Tarjoul, exactement. Bon, les amis, ça papote, mais on va jouer à Monkey Island. Alors, tout de suite, déception. Je préfère vous prévenir tout de suite. Regardez l'écran d'accueil. Franchement, ils auraient pu faire un effort. Alors déjà, c'est mis en pause. Voilà, quand on lance le jeu, voilà à quoi on a droit. Ah mince, j'aurais dû... Ah ben, je vais retourner sur le menu. Donc déjà, ils auraient même le logo Monkey Island, il est quand même joli, ils auraient pu mettre ça. Et voilà. Voilà le... Non, attendez, ça va pas. C'est pas... Voilà, je vais le fermer. Voilà. Voilà, que vous voyez exactement sur quoi on démarre. Donc là, clac. Je prends Marcus. Voilà. Voilà l'écran d'accueil de ce Monkey Island. Après tant d'attentes, on a tellement d'amour pour ce jeu. Voilà l'écran d'accueil. C'est d'une tristesse. C'est fou. C'est fou qu'ils aient pas mis... Il n'y a plus de boîtier de jeu, il n'y a plus de jaquette et tout. Alors, on aurait pu avoir quand même une belle illustration de jaquette, ils auraient pu la mettre là. Voilà. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi pourri. Bon, heureusement, après, je vous rassure, ça s'améliore, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre une belle petite illustration
C'est fou. Alors, c'est pas le remake de la version PC en EGA, c'est ce couleur, non. Je vois qu'il y a des vieux de la vieille parmi nous. Non, c'est beaucoup plus beau que ça. Et vous allez voir que, voilà, une fois qu'on aura passé cet écran, ça va devenir un peu mieux. On va faire une nouvelle partie, on va le faire ensemble. Juste avant, il y avait un truc qui est un peu plus joli, ils ont mis un album qui résume un petit peu les épisodes précédents. Donc ça, c'est cool. C'est tout, alors tout est en anglais, les voix sont en anglais, mais évidemment c'est traduit en français, sous-titré en français. Regardez la belle silhouette de Guybrush. Merci Gamershow, c'est gentil. Voilà, donc ça explique un peu tout ce qui s'est passé sur les deux mêlées, les épreuves qu'il a dû passer pour réussir à devenir un vrai pirate, sa copine Hélène, la fille du gouverneur. Ou non, il était gouverneur, je crois, carrément. Voilà, les scrims, les concours d'insultes, etc. Voilà, donc ça résume un peu tout ce qui s'est passé avant. Les personnages, le fameux LeChuck, LeChus. Voilà, ses amis, Carla, Otis, Meathook, voilà. Et voilà, donc ça, déjà c'est un peu plus joli. Ils auraient pu ne serait-ce que mettre la couverture de cet album qui résume ses aventures. Regardez, ça finit bien. Voilà, ça aurait été quand même un peu plus classe d'avoir juste ça même. C'est déjà mieux que ça. Allez, on va pas chipoter. Je lance une nouvelle partie. Alors il y a deux modes, ça c'est intéressant. Mode normal, voilà, toute l'histoire et tout le fun, mais des ennemis plus relax pour les joueurs ne disposant pas forcément beaucoup de temps. Nous, je propose qu'on fasse ça ce soir. Et le mode difficile, je vous recommande de le faire chez vous. Des ennemis plus nombreux et plus difficiles. Show me the money de singe pour les pros des jeux d'aventure qui veulent vivre l'expérience dans sa totalité. Voilà. Donc moi j'aimerais bien qu'on avance le plus possible, donc on va faire les ennemis les plus simples. Ça vous laisse un peu sous le pied des trucs plus compliqués si vous voulez le refaire vous-même, avec peut-être plus de choix de dialogue et des trucs rigolos. C'est bien de vous montrer des trucs, mais je voudrais pas trop vous spoiler non plus. Donc si ça vous va, on part en mode normal avec la petite chope de bière, j'aime beaucoup le symbole, oui, tout de suite ça s'améliore. Marcus, un pro. Oui, allez, mode difficile, on est balèze. Ah, attendez. Lilith veut une photo de French et Ginger, il se passe des trucs dans mon dos. Alors dites-moi, mode normal ou mode difficile? Moi j'avais pensé normal pour pas vous... juste pour pas vous spoiler, mais si vous voulez partir sur le mode difficile, on y va. Un point and click en difficile, dit Vlasser. Difficile, allez donc. Camizou, bienvenue à bord. Difficile, moyen, normal. Difficile, pour toi c'est facile, non? Ah, d'accord. Difficile pour rien. Ok, gros plébiscite sur difficile. Ok, bon. Si ça vous spoil, tant pis pour vous. Hein. Vous aurez déjà fait une partie, on va jouer à peu près 2 heures. Vous aurez vu les 2 premières heures. À feu doux, dit Goldoraf. Allez, mode difficile, regardez, un crâne de pirate. C'est parti. On y va. Je crois en toi. Salut, Chrome Padawan. En mode Marcus. Je vais nominer Chrome Padawan, mon dada, pour cette bonne vanne. Le prélude. Alors, vous allez voir que ça commence pas avec... Guybrush, mais avec son fils, en fait. Ne réglez pas votre téléviseur, ça se passe dans le noir, c'est normal. Ils sont tous les deux dans une cabane. J'annonce dans 10 minutes passage en mode normal, dit Tom Deville 59. C'est pas impossible, mais je compte sur vous. Avec tous nos cerveaux réunis, je pense pas qu'on galère trop longtemps, quoi. Donc ça devrait bien se passer. Alors vous voyez, graphiquement, c'est assez particulier. Ça ressemble pas au Monkey Island d'origine, ça ressemble pas au remake et au remaster qu'on a pu voir, ça ressemble pas aux dernières aventures où il était très... j'aimais pas trop ce dessin d'ailleurs, il était très longiligne, hyper élancé, du coup on sentait qu'il était vraiment tout plat, c'était assez moche. Là c'est assumé, c'est un peu comme South Park, on sent que c'est des graphismes plats, mais je trouve que ça va bien avec le style. Alors que les autres fois, ils avaient tenté quand même de la vraie 3D... Enfin, comment dire... C'est de la vraie 3D à plat, c'était bizarre. Là, c'est assumé que c'est que des petits bouts de papier qui s'agitent. Même dans l'animation, regardez les bras et tout, on a l'impression de voir les trucs qui s'agitent. Alors, voilà, ces gens, ils s'amusent à faire croire que c'est leurs parents. Ce qui est très embarrassant pour eux. Arrêtez de nous suivre. Franchement, c'est mal, ça. Oui, monsieur. Ah, les scorbut dogs, ça donne envie. Je préfère ce décor, celui du début, dit Marker 831. Oui, moi aussi. Ah, très bien. Alors, allons-y. C'est ici, les hot dogs. Allez voir. La gueule du gars. alors, regardez, ça, c'est pas mal du tout.
Ils ont fait un système, on va pas aller fouiner avec la souris partout où c'est cliquable. On passe d'un objet cliquable à un autre simplement avec R1, L1. Et quand on veut faire quelque chose, il nous indique quoi faire. Donc, je trouve ça très bien d'avoir simplifié, d'avoir mis ça un peu au bout du jour. Après, j'aime bien l'ancien système, mais des fois, c'est vrai qu'il était un petit peu galère. Des fois, je me souviens des voyageurs du temps, vous avez peut-être connu ce jeu. Une des premières énigmes, c'était une épingle, vraiment une épingle, une punaise sur un tableau en liège. Il fallait trouver le pixel sur lequel il y avait l'épingle, c'était vraiment pas possible, quoi. Alors, combien ça coûte les pâtes de poulet frites? 2 pièces de 8, c'est un petit peu cher. Est-ce qu'on peut en avoir? Ah, on n'a pas d'argent. C'est une forme de monnaie que les adultes utilisent pour acheter des choses. Mais on n'en a pas. Alors, pas de pâtes. Pas de bras, pas de chocolat, pas de pâtes. On va commander un grog, même si on est un peu jeune. Eh, c'est pour les grands, ouais. Ok. En fait, ils voulaient acheter... qu'est-ce qu'il y a, ce panneau? Ouais, ça serait pas mal de... nettoyer. Il veut devenir mousse. Son père voulait devenir pirate, lui veut devenir mousse. Là, moins d'ambition que son père. Et là... cette petite clé... c'est la clé des toilettes. Donc, on va prendre la clé des toilettes. Bon, de toute façon, on n'a pas assez d'argent pour acheter les scorbutes drogue, donc grog, pardon, enfin s'acheter de la drogue. Donc pour le moment, on va se contenter de ça. Voilà ma liste des tâches, acheter des scorbutes dog, des hot dogs, mais en plus dégueulasse. On va parler à notre ami, qui a souvent des bonnes idées. Ah, ça sent que c'est délicieux avec le nom. Alors, comment ça coûte des scorbut dogs? Une demi-pièce de 8. J'ai toujours pas d'argent, mais j'essaie d'acheter quand même. Quel lapsus! La drogue, c'est mal, on est bien d'accord. Winners don't use drugs, souvenez-vous. Alors, on va dire s'il vous plaît. On tente de la pitoyer. Oh, c'est mignon. Oh, les têtes, on dirait le chaton dans... non, Shrek, le chat beauté. Il aime pas les enfants. Pas pourquoi, mais ça se voit. Un honnête commerçant qui s'est simplement gagné sa vie, j'ai pas envie qu'une cinquantaine de miottes, je vais me faire perdre mon temps, essayer de me gratter des trucs gratos. Alors c'est dommage avec tous les talents de doublage qu'on peut avoir en France, qu'ils aient pas fait la version française, mais bon. Les voix sont très bien, donc ça fonctionne. Je propose qu'on aille aux toilettes puisqu'on a les clés. Alors. Je vais dans l'inventaire et je vais ouvrir. Allons jeter un coup d'œil dans la latrine. Oui, bah c'est pas ce que je voulais faire. Je lui parle alors que je voulais utiliser mon truc. Alors, je prends et je déverrouille les latrines. Voilà. Mais comme ça, il avait sa grosse tête devant, il a parlé. Perforas, faites rentrer les tigres, on a les clés. Oh mon dieu, vaut mieux une bonne VO qu'une mauvaise VF. Oui, c'est vrai. Mais on a eu quand même des belles VF aussi hein, sur pas mal de point and click. Donc. C'est dommage de ne pas avoir fait ça sur celui-là. Puis il est assez culte, je pense que ça va plutôt bien marcher. Ça sent comme les toilettes. On va chercher dans les toilettes. Oh, il y a des trucs qui flottent au fond. On n'est pas sûr de ce que c'est. Allez, je vais chercher des pièces dans les toilettes. Non, il veut pas. C'est normal. Peut-être qu'il y a des pièces là-dedans, dans la grille. C'est crade aussi. Et là, regardez, il y a un petit truc en métal. Une pièce de 8. C'est pas une pièce de 8. C'est un morceau de métal rond de la taille et de forme similaire. C'est d'une pièce de 8. C'est vrai qu'il y a des jeux qui ont eu des VF après, notamment à l'époque où les CD-ROM sont apparus. Tout à coup, il y a des pas mal de point and click qui ont eu droit à leur version vocale alors que c'était juste... je veux la ramasser, voilà. Oh, la gueule de la pièce.
avec les mouches dessus. Bon, je pense que j'ai tout vu. Ouais, il y a un tas de cochonneries là. On va voir, peut-être qu'on peut payer avec cette pièce bizarre. C'est comme Deus de Tentacle avec les toilettes. Ah oui, Perceval, on voit les connaisseurs. Ils sont servis les voyager les toilettes. alors, mon brave. Je sais faire le poirier sans utiliser mes mains. Oui, on a plein de sortes d'argent. Tout à l'heure, j'ai envoyé un colis à la poste. Je dis bonjour, j'aurais envoyé ce colis. Et la dame me dit, vous payez comment? Je dis, ben, avec de l'argent. J'ai pas compris sa question en fait. Je voulais savoir si je payais en monnaie ou en carte bleue, mais ça m'a bloqué. J'ai fait un brain freeze. Vous payez comment? Avec de l'argent, je peux pas payer avec mon corps ou un organe pour un colis, même si ça coûte un peu cher. Alors, est-ce qu'on se prend des poulets frites? Une chope de grog? Non, on va prendre les scorbuts, c'est ce qu'on voulait. Fallait dire en bitcoin, non, il pas bête qui va, j'aurais dû lui filer un bitcoin. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas répondu. J'ai pas écouté. Une pièce de 8. Ah oui, pardon. Alors, il faut que j'aille chercher dans mon inventaire, bien sûr. Voilà, elle est là. On la donne. Il va peut-être nous donner des faux hot dogs. Oh, il croque dedans, c'était dans les... Je sens qu'on va se régaler, il y a déjà... Oh la gueule du truc. Une vieille saucisse. Le bitcoin qui vient des toilettes, dit Bernard le Vic. On va nominer Bernard le Viking pour cette bonne vanne bien placée. Alors pour les nouveaux qui voudraient faire des vannes, évidemment, il ne s'agit pas de raconter l'histoire de Toto, vous avez vu, il s'agit de trouver des vannes qui rebondissent sur ce qui se passe de manière parfois improbable. Eh ben, on a nos scorbuts, qu'est-ce qu'il veut faire, Chucky? Oh, bon, on peut y aller. On n'a pas fini de... On n'a pas examiné ce tonneau. C'est un tonneau avec un rat. Je veux le revoir. Il y a un cafard, il y a un rat, il y a une mouche. Oh, ça donne pas envie. Là-haut, il y a un petit perroquet et il y a aussi ce gars-là. Il a l'air mort, mais qui bouge un peu si on regarde bien. Regardez, on voit qu'il respire quand même. Ok, bon, allons voir. Ils sont partis par là, nos amis. Jerk, il s'est fait traiter de jerk. C'est pas un rat, c'est un surmulot. Du coup, non, c'est pas l'enfance de... Oh, il est bien ton petit... Ton petit émoticône, Guybrush. Manu le banni. C'est pas l'enfance de Guybrush, c'est son fils, en fait. C'est son fils. On va voir. On va y arriver assez vite. D'ailleurs, vous savez d'où ça vient, Guybrush? Brush, en anglais, c'est le pinceau. Et c'était quand ils ont commencé à faire Monkey Island, ils avaient un petit personnage, donc un mec, un guy en anglais, et ils avaient fait son sprite en fait. Et le nom du fichier, c'était Guybrush, le sprite du mec. Du coup, ils ont gardé ce nom pour le personnage. Après, être avec Guybrush, c'était plutôt pas mal. Alors, je parle, mais elle aussi, regardez, elle nous raconte sa vie, avec cette histoire de marin, et ça roupille. Il y a le fiston s'est endormi carrément. Incroyable. Incroyable, je vais me le prendre pour le fan que je suis. De toute façon, les gens qui ont eu des Amiga sont les meilleurs. Ah, Manu le banni. On est d'accord. Oh la vache. Alors on peut passer les dialogues parce qu'il y en a des kilos. Effectivement, elles sont tout le monde. Ah, oh, ça y est, il est ressorti du dialogue. Si vous avez raté une réplique, ah ça c'est pas mal, il suffit d'appuyer sur la touche gauche pour consulter les lignes de dialogue précédentes. Voilà. Et hop, on ressort. Donc tout à l'heure, par exemple, j'avais pas vu ce qu'il avait dit, puisque je vous regardais vous. Ça, c'est peut-être une bonne option, par exemple. C'est une bonne idée. Hey Chucky,
want a race? You're on. Ouais, petite course, fait l'arbitre. 3, 2, 1, go! Oh merde! Ah oui, c'était pas en mode décathlon, c'était juste. Oh, il s'est fracassé. C'était juste laisser appuyer pour courir plus vite. C'est bien, ça nous permettra de nous déplacer plus vite dans certains décors. Là, je pense que on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Petit du pain, ces gens qui essaient de nourrir un canard qui n'a rien demandé. What do you think you're doing? Kids these days, you have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Il y a de vieux, maintenant que je suis vieux, je dis des choses comme ça, moi, maintenant. Ok, et les jeunes entendent blablabla, bla bla. Voilà, c'est exactement ça. Prendre du pain pendant qu'ils ne regardent pas. Oh, bien joué. On a piqué du pain, t'en veux. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Elle est un peu cinglée. Alors regardez, apparemment, voilà, interdiction de nourrir les canards de toute façon. Don't feed the duck. Voilà. Mais j'ai quand même du pain, alors je vais lui donner. Tiens, petit canard. Ah, il nous monte ses fesses. Je sais pas trop. Comment on doit le prendre. Ok, très bien. Et j'avais l'impression qu'on pouvait faire quelque chose avec les nénuphars, mais plus maintenant. Attends, j'ai pas vu cette réplique, alors est-ce que je peux la revoir? Vous savez que si tu te laves jamais les pieds, ils finissent par plus sentir. Oh, Chucky, c'est vraiment un gars dont on a envie de suivre mes aventures. Qu'est-ce que c'est que ce truc par terre? Du ketchup. Bah déjà, c'était dégueulasse, les Scurvy Dogs. Alors, on va les ramasser. Oh, je vais le ramasser, je veux pas le... Ah voilà, ramasser, c'est là, clac. Il a bien changé de Chucky, il fait de l'humour maintenant. C'est vrai. Pas cuire les travaux à quatre feuilles. Ok. Il y avait quelque chose dans l'herbe aussi. Ah voilà, un trèfle à quatre feuilles. Du premier coup. Et voir ce que fait ce petit cavalier. On peut pas trop. On va aller voir ce bateau. Ah, on va se battre. Tu n'as aucune chance de me battre vu comment tu tiens ton épée. Elle va te mettre la sauce. Ah, c'est bien traduit par contre, je trouve. Ils ont bien. Pas fait la VF, mais ils ont bien traduit. Ah, je pourrais m'entraîner à l'escrime. C'est pas tellement l'entraînement incroyable. Ça pourrait servir pour les duels d'insultes. You fight like kids. C'était un truc fabuleux dans le premier épisode. Il fallait apprendre à manier l'art de l'insulte et c'était vraiment assez drôle. Ah, est-ce qu'elle pourrait m'apprendre des choses, elle? In France, they call a scurvy dog a chien scorbus. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Oh, c'est humiliant. Ok. Bon, bah, c'est bien, j'aurais au moins appris quelques répliques si jamais je dois me bagarrer. Une petite pièce. On aurait pu s'acheter d'autres trucs. Ce serait pas un rat crevé par terre? Non, c'est juste un caillou. Ok. Un puits à souhait. Alors. Allons-y. Oui, ma petite pièce commence à avoir pas mal de trucs. On va faire un souhait. Lancer la pièce dans le puits. Je souhaite que Chucky ait une moustache. Je souhaite que Dee disparaisse. Je souhaite qu'une plante trop cool apparaisse. Je souhaite un deuxième scorbut. Je souhaite qu'on soit capable de parler à l'envers. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les amis? Tiens, on va choisir ensemble. Les premiers Monkey Island sont sortis sur quelle console? Il y en a sur Xbox. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur PlayStation. Vous voulez parler à l'envers? Vous voulez la plante? Ah si, j'ai envie de la plante, en fait, un petit peu. La plante. Ressusciter la reine.
Je vois que tout le monde est comme moi sur l'histoire de la plante. Bienvenue, Carlito, qui veut parler à l'envers. On va aller voir la plante. Donne envie. I wish for a cool plant. A plant? What a waste of a wish. Et voilà, une plante carnivore. Ça ne sert à rien, mais... I take it back. That was the oui, c'est pas mal. That was cool. Ah oui, pas une autre pièce. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas fait, mais... Quand j'avais joué la première fois, avant de mettre la pièce dans le puits, il nous expliquait qu'on pouvait sauvegarder et que ça permettait de revenir en arrière si on avait fait une erreur. Ah, voilà papa. Et là, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. En tout cas, l'idée, c'était de sauvegarder, de faire un souhait, de reprendre la sauvegarde d'avant, de faire un deuxième souhait, etc. pour voir un peu tous les souhaits. Ah, on joue tes aventures. Big whoop. Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change l'histoire. That's not how storytelling works. Ils en rajoutent un peu, visiblement. Il a pris un coup de vieux, dit cet accent. Bah oui, normal. Et je me demande si c'est la même voix qu'à l'époque. J'ai pas encore vu le casting, je sais pas, mais... Il est probable. Mais là, une voix un peu plus âgée, c'est vrai. On va savoir pourquoi ça s'appelait... Quel était le secret de l'île aux singes, en fait. Long story. Ah, on va voir. I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go. Ok, ils ont pas très envie d'écouter mon histoire, visiblement. No, stick around. This is a good one. Salut, végétarien, les tutus. There was a rumor going around that my old nemesis, Chuck. Au niveau du lore, le jeu prend en compte tous les jeux de la saga ou seulement les deux premiers. Non, en fait, il prend tout, ouais. Il y a des références à des jeux qui ont été faits après. Alors que c'est censé, oui, parler que des deux premiers, mais en fait, tu verras, il y a des personnages qui sont apparus plus tard, en fait. C'est le même doubleur, dit Amano Albani. Ah, bah voilà. Cool. Ah là là, retour sur l'île des Milets, c'est trop bien. Et puis vous allez voir, ça recommence... Exactement comme la dernière fois, c'est marrant. Ou la même ville. Il y a une ville qui existe d'ailleurs. J'ai vu des photos il n'y a pas longtemps sur internet. Vous savez, la rue un peu en pente, avec l'horloge au milieu, une sorte de... Ah, voilà! Ça aurait été un bel écran d'intro. Et la musique. Ah, la vache, j'en chialerais tellement. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Dominique Armato dans le rôle de Guybrush Threepwood. Et bah voilà. Ah là là. Franchement, ça m'a trop fait plaisir quand j'ai vu... J'avais oublié que ça devait arriver et quand j'ai vu comment qu'il était dispo sur Switch, je me dis oh, faut absolument qu'on y retourne, c'est trop bien. Oui, temporaire. Oui, c'est vrai que ça arrivera sur PlayStation et Xbox, mais pour le moment, que Steam et Switch. Ça pourrait même être jouable sur tablette en même temps, parce que vous avez vu comment ils ont fait l'interface, elle est vraiment très simple. Ce qui est pas mal, à moins d'être vraiment un peu ronchon. Personne ne regrettera vraiment le fait de scanner l'écran à la souris jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose, et puis d'essayer, et puis de voir que ça faisait rien. Là, par exemple, si vous utilisez un objet sur, je sais pas, sur la porte, par exemple, j'utilise la clé tout à l'heure, mais si j'avais utilisé un scorbut dog, là, ou je sais pas quoi, ça m'aurait mis un sens interdit. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'essayer, en fait. Alors qu'avant, on essayait tous les objets, on voyait ce que ça faisait, souvent ça faisait rien. Là, on vous laisse pas essayer, en fait. On vous enlève l'objet direct, enfin, on vous dit que c'est pas possible. C'est plutôt pas mal. La version remaster sur Steam est très bien faite. Oui, c'est vrai. Je m'étais repris aussi les Indiana Jones, Fate of Atlantis et tout. C'est un plaisir. Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? You know, freebooting mostly. Ah, j'aime beaucoup ce style graphique, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que... Pourquoi les gorilles ont-ils des grosses narines? Parce qu'ils ont des gros doigts. Bien cœur. The truck's here in Melee? Is there widespread panic? Il fallait attendre de la placer comme on est sur l'île aux singes. Là, ça fait surgeler alors que t'aurais pu la dégeler juste au bon moment et on aurait pensé que ça venait comme ça. Mais c'est bien joué en tout cas. You know
my history with him. Alors, Alichak a enlevé ma femme. C'est un maléfique pirate fantôme zombie qui sème la terreur sur les océans. Mon ennemi depuis le début de ma guerre de pirates. Ou toujours qu'il me vole mes meilleures idées. Je vais monter ma propre expédition, la mienne. Bon, c'est quand même un pirate fantôme zombie. Déjà de base, il a une bonne raison de pas pouvoir le blairer. Il a peur de monter quand même. Très beau graphisme, on est d'accord, Vegeta. They say opposites attract, but what do I know? Allez, je vais monter ma propre exhibition. I'm mounting my own voyage. Fine. Well, you'd better get cracking then. The Chuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Ça sent le réchauffer ça aussi, mais justement, c'est bien. Vous allez voir qu'ils sont assez malins et in that case, you'll want to go talk to the pirate leader. Puis c'est pas tout à fait pareil quand même. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Très bien. Petit dézoom. C'est joli comme tout. Bon, pour le moment, pas grand chose à faire. Je peux faire quelque chose avec ce feu. I could stare at this forever. Ça va être excitant pour vous, évidemment. J'aime bien l'idée. La petite chouette, j'ai pas vu si on pouvait faire quelque chose avec la chouette. J'aime bien ces trucs un peu tordus. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. I better get cracking if I want to get to the secret. On dirait qu'ils sont mauvais bateau. C'est celui de LeChuck. Prête à partir. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ouais, on va peut-être aller d'abord au bistrot. Plus logique. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ah, c'est assez bref comme. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ils le disent pas pareil, mais... Ah, l'album à cartes quiz. Ça permet de ranger des cartes à collectionner quand on répond à différents types de questions. Est-ce qu'il me laisserait le prendre? Hop. Oh, pas mal. Ah, une petite énigme. À l'arrière du Scum Bar se trouve un trophée de pêche, la cave, une bonne géante, la cuisine. C'est la cuisine, si je me souviens bien, mais... On verra. Déjà, allons voir derrière. Looks like a circus act, maybe. C'est assez mal dessiné. Ah, voilà les vieux pirates. C'est pas comme d'habitude. The pirate leaders around. This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Vous ne savez pas qu'il y avait eu changement de direction. Où sont les trois vieux pirates qui avaient l'habitude de tenir séance ici? Est-ce que c'est à vous que je dois m'adresser pour discuter du financement d'une expédition? On va savoir où sont passés les vieux. Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still il est sans pitié. For each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Ils sont durs. Oh no. Goldora, tu vas te coucher? Ah, tu travailles peut-être tôt demain. Eh ben, bonne nuit, mon Goldo. Bonne nouvelle nuit, enfin, bonne nouvelle journée, nouvelle année. Nouveau jour qui commence. Tout peut se passer. Donc, je te souhaite le meilleur en tout cas. Zack & Wiki, tout à fait atypique. C'était très bien sur la Wii. Un des premiers jeux d'aventure sur Wii qui était plutôt cool. Et oui, ça faisait penser à Monkey Island. I'm Guybrush Threepwood. Ah, j'aime bien quand il dit fièrement son nom. On va me faire tuer dès le début quand même. Et j'ai pas fait de sauvegarde en fait depuis tout à l'heure. Wait, it was Captain Madison? Bien ces allers-retours entre son récit et la réalité. Blunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Ah, ils vont peut-être m'écouter. Exactement, c'est un raid. Oui, allons dans son sens. Exactly. It's a raid. Fine. Well, don't keep us in suspense. Tale of Monkey Island, oui, je l'avais fait aussi.
Mais j'avais pas retrouvé le charme des premiers. Là, je trouve qu'on retrouve vraiment, vraiment le retour aux sources, quoi. C'est cool. C'est un trésor d'une valeur monétaire incalculable. C'est un trésor d'une valeur culturelle inégalée. C'est un authentique mystère qui doit être résolu. Une de mes passions personnelles. Je pense qu'il vaut mieux leur parler d'argent. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to zero the fastest? Avec de mathématiciens. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Est-ce qu'ils peuvent m'avancer des sous? Dites-moi s'il y a un navire disponible en ce moment. Je vais demander de m'aider à recruter un équipage. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Ah là 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 là, bon, un navire disponible peut-être. You don't even have a ship. Oui, bah, on fait ce qu'on peut, on débute dans la piraterie. Up a creek without a ship. If you don't take this opportunity, la jalousie peut-être. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready to right commencer par là en fait. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No. Of course not. Ils vont être deux à convaincre. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem là, with that bah idea oui, on is that pas, Chuck and I are pas monter avec lui à bord de son bateau. On se ferait pas. C'est bien de ma gueule, j'ai l'impression. Elle pleure de son œil crevé. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Ouais, au moins il nous proposait de faire des trucs. Je vais y retourner parce que je voudrais voir si on peut aller dans la cuisine au fond. Voilà. As I live and breathe, how have you been? Gueule du cuisinier. Pas trop mal. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Elle est bien toujours en seul morceau, elle est dans le service public, elle lutte contre le scorbut. J'ai fourré notre anniversaire. On est loin, loin de l'autre. Oh, on va dire qu'elle va bien plutôt. On a un génius! Mon génius! On tente de voir! C'est pas vu arriver. Trop bien. Je crois que j'ai dû te hoster la semaine dernière, on était allé voir ce que tu faisais. Et t'étais sur Multiversus, si je me souviens bien. T'es cool. Comme dans notre level 1, tu te souviens? Laissez-le jouer! Bah oui, il vient de me déconcentrer pas! Un petit tonnerre d'applaudissements pour l'ami Genius, les amis, mon petit pote, mon chouchou, mon petit Genius, vraiment, toujours un plaisir de travailler avec toi, tu sais. Même quand on travaille pas d'ailleurs. Surtout quand on travaille pas, genre quand on va à la Lune en Arlande ou des trucs comme ça. C'est encore mieux. On est dans Monkey Island, si ça va te plaire! C'est pour ça que t'es venu, tu t'es dit, tiens, Monkey Island. Ça va me plaire. Regarde-moi ces applaudissements. C'est une sorte de standing ovation. C'est beau quand même. C'est beau. C'est mérité, toi aussi. C'est classe. Les membres du nouveau conseil sont limite désagréables. Ça, je suis d'accord. Est-ce que tu streams mon Genius après? Et si oui, sur quoi? Que je sache. Ah ouais, mes petits amis. Quand je fais des raids, les gens, ils voient tout de suite rien qu'au pseudo. Ça vient de chez moi. T'as 40 pseudo rigolos qui débarquent. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Sympa, petit cuisinier. Alors non, pas ce soir. Tu gardes le petit. Oh, c'est trop mignon. Tu feras des bisous. On fera des gros bisous. C'est trop bien. Ah, il est daron le Genius maintenant. Donc ça y est. Quand on donne le biberon, on peut se coucher plus tard. Oh, lui, il est loin du biberon, mais... Quand ils sont tout petits, c'est ça. On joue aux jeux vidéo discrètement, on mate Netflix en donnant le biberon.
Peut-être qu'I hear the health inspector. What? Eh bah c'est classe, ah bah je suis content de savoir que t'es avec le fiston, c'est cool. Donc non c'est pas violent, tu peux l'autoriser à regarder peut-être. I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. Ah oui c'est vrai que la cuisine n'a pas l'air d'une hygiène irréprochable j'ai envie de dire. Keep up the good work. Thanks, will do. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Ah, York. On sait pas si c'est des nuisibles ou de la garniture. Ça va pas être très frais. Un certificat des services d'hygiène. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Ah, une serpillière. Well, it's definitely a moth. C'est une serpillière, très bien. Si je lui faisais un coup de main. Will you advance me the down payment? C'est vrai que le sol est un peu dégueulasse. Put that down before you hurt yourself. What? Le blesser avec un balai. C'est pas tout ça servir. Ça peut servir d'arme peut-être, on verra après. S'endormait le petit avec Super Mario. Ah c'est mignon avec la musique de Super Mario. Oh bien. Oh c'est quoi cette... apparent peut-être. Ah j'ai pas le droit de voler le portrait. Là-dedans il y a des asticots. Ils ont l'air bien en forme effectivement. Je ne peux pas les prendre. Vous voyez, j'ai pas l'option pour les ramasser. Du coup, ça facilite un peu la tâche. On voit tout de suite quelles sont les choses qu'on peut utiliser et quelles choses on peut ne pas utiliser. Vous sentir le risque. Je vais me tenir près du poêle pour me réchauffer. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Culture d'une mouette faite en bois, la plaque dit en mémoire des mouettes menaçantes d'antan. Et de la corde. Oh, très bien. Ça m'arrange. Dites-moi hein, si jamais vous avez envie de qu'on fasse des choses. Ça y est, là, on est parti, donc je vais avoir besoin de votre aide. Je regarde ce que j'ai dans la liste des tâches. Déjà, obtenir ou trouver un bateau, trouver le secret de l'île aux singes et revivre mes jours de gloire. On sent que ça, c'est le dernier truc qui va rester sur la liste très longtemps. L'album des cartes quiz. Et bah, maintenant, on peut effectivement répondre à la question. Il s'agit bien d'une cuisine. À Scumber se trouve la cuisine, bain géante, la cave. Un trophée. Cuisine. Voilà, très bonne réponse. Je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est un vrai quiz et j'ai des trucs à gagner si je réponds bien? Je sais pas. Est-ce que je peux, par exemple, avec la corde, attraper la mouette? Non, vous voyez, il met direct... un sens interdit. Ça veut dire que je peux pas faire quelque chose avec la corde et la mouette. Mon fils de 1 an a pris la manette GameCube dans le bon sens et a regardé vers la télé, la relève est assurée. Ah, c'est beau ces petits mamans. Puisque Genius est daron, est-ce que ça fait de toi un papy spirituel? Oui, dites-moi aussi son père spirituel, même si je suis pas très spirituel. Mais oui, techniquement. Je suis honoré. Petite cheminée, j'avais pas regardé la cheminée. Ah, combien de temps je peux rester avant de prendre feu moi-même? Bon, on pourra peut-être faire chauffer quelque chose ici, je sais pas. Je pense que... pas le moment de retenter sa chance. Ici. Ah, une carte à collectionner que je n'avais pas. Du coup, est-ce que j'ai une nouvelle... Quelle est la première règle de la prison de mêlée? Interdiction de courir, interdiction de manger des gâteaux, interdiction de s'évader, interdiction de nourrir. Je pense que s'évader, mais comme j'y suis pas encore, on va être prudent. Est-ce que je peux lui parler maintenant? Elle s'en fout? Ah non, d'accord. C'est question de merde le jeu de quiz, c'est ça. Ça l'intéresse pas, c'est bien ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'il y a dans la main? Non, ça va, j'ai pas... Ok, bon, on va continuer d'explorer un peu, et après on verra si on a besoin de revenir par ici. Arrange-toi pour un rhum. Ah, ça serait pas mal, oui. Est-ce qu'on peut aller voir tout de suite, vers le Chuck, ce qui se passe? Oh, une petite carte à collectionner, ils en ont mis partout. Le chip, c'est bien trouvé. Oui, c'est en français, je pense. Expedition to Fabled Monkey Island. Crew positions available.
serve under LeChuck. Je peux travailler avec lui s'il n'y a pas d'autre bateau. Looking for a job? Step this way. Elle a l'air un peu en feu quand même. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. Quoi cet équipage fantôme? You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Même les humains sont là, voilà, c'est un équipage de fantômes. Allez, devenons mousse. Ouais, moi j'ai pas de dignité, il n'y aurait plus de seigneur. Non, merci, je vais monter ma propre expédition. Absolutely. Me faire engager, on sait jamais. J'adore frotter et faire mousser. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling flame. Okay, okay. Save the strokes for the decks. Ah, donc. Ah bah on va aller l'emprunter. Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Alors là, on va pas lui donner mon nom parce qu'il peut pas me blairer. Smith, John Smith, Andrew LeChuck, neveu. Andrew LeChuck, aucun lien de fait. Je veux dire John Smith. Smith, John Smith. C'est passe-partout. Est-ce qu'en croisière, il y aura une soirée mousse? On va nominer Max ou les boulettes pour cette bonne vanne, les amis. Oh merde! Peut-être qu'il faut que j'ai un déguisement et une serpillière. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew, ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. La serpillière, on sait quoi faire. On va continuer à chercher. I hope this isn't one of those party cruises. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. C'est très précis comme c'est très précis comme interdiction. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Bon, pas grand-chose à faire. Un verre de grog. Non. Okay. Ouais, de toute façon, on va pas m'emmener. Expedition to fabled monkey. Et les offres d'emploi, j'ai vu. Donc, je pense qu'il me ferait un déguisement ou quelque chose. Why is Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison. Would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. On va les suivre. Hein. J'ai pas regardé le. Ooh, the name seems to fit even better than it used to. Ah, et on va arriver en ville. On va arriver à la fameuse. Hélène. Oh, Hélène, ah bah super. Wait, are you going to tell us the mushy part now? Truc un peu romantique. But I can skip over the hugs and kisses. Elaine, Guybrush. J'espère que tout cœur tu apparaisses dans cette histoire. Comment avance ton projet de prévention contre le scorbut? Tu ne vas jamais croire comment je compte me rendre sur les singes. Depuis combien de temps ça fait qu'on est mariés déjà? Jamais demandé ça à une femme, malheureux. On va parler de son projet de prévention contre le scorbut. How's your scurvy prevention project? It's great. We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up. Ça se soigne juste avec du citron vert, c'est quand même pas mal. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. On va aller au singe, je vais peut-être proposer de venir avec moi, ça serait pas mal. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, meet me them and take the ship. Le plan un peu dangereux. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Bon, bah, de toute façon. J'ai envie de lui dire au revoir. Demande-lui la clé à Hélène, Marcus. Je sais pas cette vanne là qui m'a. Demande-lui la clé à Hélène, Marcus. Oui, bon, je sais. Clé à Hélène.
La clé à Allen, oh la vache, une clé à Allen, oh la vache. Des vannes de bricoleurs, c'est pour ça que je l'ai pas. C'est une pirate, elle est prête à mouiller. Au large, bien sûr, bien sûr, il faut s'attendre. C'est Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. Ah, d'accord. C'est pénible. On va le prendre. On sait jamais, je pourrais peut-être endormir quelqu'un avec. It's Elaine's flyer about how limes combat. Et là, il y a un petit truc aussi, un graffiti sommaire. Pas fini, je sais pas trop ce que ça représente. Je voudrais un dièse, peut-être un hashtag. Honoring Malay Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Portobello. On va regarder le haut de la statue, il y a peut-être quelque chose à faire avec. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Malay. Oh bah, il dit ça à sa copine. Alors voilà, cette ville-là existe vraiment, je sais plus où c'est. Je crois que c'est en Allemagne. Et il y a vraiment la petite arche. Les maisons sur ce côté-là, elles sont vraiment ultra stylisées, mais cet endroit vraiment existe. Peut-être vous l'avez vu aussi sur Internet. Dites-moi dans quelle ville ça se passe, mais il y a vraiment un endroit qui ressemble à ça. Ah, des soldes pour des trucs vaudous. Allons voir. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Ah oui, c'est vrai que c'était chelou, ça. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. La dernière fois qu'on s'est vu, mais ça fait des années. Merci, Troll Breton, c'est gentil de t'abonner. Par la recherche du secret du Lossin, je compte embarquer à bord du navire. Allez, des conseils, oui. On va prendre des conseils. C'est la rue de la Grosse Horloge à Rouen. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça qui ressemble à Rouen, mais c'est pas Rouen. C'est, je crois que c'est en Allemagne. Ou en Écosse. En tout cas... J'ai pas entendu le conseil. La tête. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Ah, c'est pas encourageant. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Le méta. Ah, qu'est-ce qu'il va nous donner? When you are unsure of the way forward, open this. Que c'est un livre d'astuces, ça serait pas mal. Salut Sonjiko. On part souvent chez toi sur la chaîne Recallbox, on en est tellement de voir ça. Oui, ils sont cool les gars de Recallbox. Oui, oui, il faudrait que je passe les voir un de ces quatre. J'ai tellement de trucs à faire, je t'avouerai, c'est compliqué. La semaine prochaine, je vais chez l'ami Fred. Déjà, j'arrive à sortir un peu de chez moi. Mais du coup, je ferai pas de stream moi-même, ce sera là-bas. Donc voilà, je peux pas non plus tout le temps aller streamer chez les autres. Je stream déjà pas beaucoup chez moi, donc si je commence à aller chez les autres, ça va être un peu compliqué. Donc je suis pas trop comme les autres streamers qui streament plein de fois, qui font des crossovers avec plein d'autres. Moi, c'est que le jeudi soir, du coup, j'ai du mal à faire d'autres trucs, mais ça arrive quand même. Peut-être un jour, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Juste pour voir si je peux mettre une plume. Je tente. Après tout, non, vous voyez, pop, sans s'interdire, donc ça sert à rien. De gâcher une plume. An empty basket. I should have gotten here last month. Alors ici, des paniers. An empty basket. Tous vides. Too bad it's empty. Keep up the good work, buddy. It's an unusual safe with 5 keyholes. Ah. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with. I'd need a lot of keys to open that. C'est un coffre tout de suite, c'est intéressant. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. C'est dans les Final Fantasy que des cristaux à récupérer. Everything spilled out of it in a puddle. Bouteille. Des collantes. Grande bouteille. Very practical. Vraiment, toutes sortes de bouteilles. It's been there forever. Someone's very excited I'm looking at this sign. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange. Aren't you glad you're here? Il y a un petit machin qui pendouille là. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a ah, ok, ils vendent vraiment tout. Ok. Bon, on reviendra, hein. Peut-être qu'on trouvera quelque chose de sympa. C'est la cave à Depardieu en fait. Il y a que des bouteilles partout. D'accord.
ici. Property foreclosed by order. Ah, Madison n'est vraiment pas sympa en fait. Oh, this was my pendant ce temps-là, à bord du bateau de Luchuk. Luchuk, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. C'est sympa. Il traite bien son petit personnel. Funny story. Guybrush Threepwood ah, tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Oh, si maintenant on essaie de me tuer. Wait. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost. Ça va être dur de grimper à bord de ce bateau sans se faire repérer, je pense. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Ah, on sait même pas ce que c'est que ce secret depuis le temps. Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more... Elle s'occupe de son image marketing maintenant. I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Eh ben, il est toujours pas plus sympa. Tiens, une vieille dame au balcon. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Elle a peut-être des vrais conseils, donc. Things are not what they seem. Okay. All keys are gold. It's the way of key. No one ever works together. Enfin, que vous prévu. Des tas de dialogues inutiles, en fait. When they get close to finding it. Ok. On va arrêter de l'écouter radoter. Et on va plutôt aller se promener. Et je vais peut-être faire une petite sauvegarde. Voilà, j'en ai fait déjà quelques-unes, mais on sait jamais. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my neck. Oh, c'est beau. The windows need some work. Alors, c'est fermé pour le moment. La prison. On rappelle qu'il y a une carte dans laquelle il y a les règlements de la prison et qui on a parlé de s'évader notamment. Salut Arnaud. Oh bah, content de te retrouver moi aussi. Ah Otis, c'est mon vieux complice, ah, mais lui aussi à gauche. Pas celui qui vendait les bateaux à gauche. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style. Bien. C'est très bien. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont arrêté? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone while hard killers roam the... Big news. Peut-être que je vais avoir besoin de recruter un équipage. S'ils sont en prison, that ça commence mal. Fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before you went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Ouais, je pense qu'on va sortir de prison. I'm planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. things like cell doors. J'aime beaucoup les dialogues. Imagine that. Je note que tu n'as pas précisé pour quel crime tu étais là. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. Bien sûr. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Oui, c'était pas le truc le plus malin à faire. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Mais oui, c'est avec nos impôts qu'on paye les fleurs du gouverneur. Bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed. Guybrush, you gotta get me out oui, of here. La serrurerie. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks. Ok, ça fait pas beaucoup de priorités. Et qu'est-ce qu'il y a par terre?
Un risque sanitaire certain. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Bon, il y a de l'eau qui coule, ça peut être utile. Any writing that was once here has been rubbed away. Et là, it says règlement de la prison, tiens, interdiction de s'évader. Ah bah voilà, on va pouvoir répondre au quiz. Tiens, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Ah, et carrément des questions. Le jeu Monkey Island original est sorti en premier sur Amiga, Atari ST et IBM PC. Commodore 64. Oh, moi j'ai joué sur Amiga, mais ça pas forcément le premier. Je pense pas que c'est sur Commodore 64, ça devait être Maniac Mansion. Atari ST, je refuse de répondre. Qui va, qui me souffle. Atari ST, c'est... Ah, c'est un piège. It's a trap. C'est un quiz de Viatelouk. Je refuse de répondre à ta restée, bien sûr. Ce sera soit IBM, soit Amiga, les amis. C'est un piège, serais-je tombé dans un piège? Non, ils auraient pas fait ça. Sur Saturne. Vache. C'est possible qu'il soit sorti sur PC. L'Amiga, machine de cœur. Allez, c'est parti. Une voix de robot ce soir? Non, normalement. Ou peut-être que chez toi, les autres, dites-moi. Allez, Amiga. Oh là, oh, ça me fait mal au cœur. Même si t'es là, t'as resté, je regrette pas d'avoir répondu à côté. Alors, elle est où la carte? Ah, faut peut-être que je la mette dans le dans l'album. C'est quoi ça? Comment puis-je obtenir une serpillère? Comment... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment un truc d'indice, un vrai truc. Ok, on va pas l'utiliser pour le moment. You look like you're having a good time. Comment ça se fait que dans les cartes à quiz, ça a disparu? Ah voilà, quelle est la première règle de la prison? Interdiction de t'évader. Voilà. On verra ce que ça rapporte à la fin. Le son est bizarre. Juste pour toi, Moto 925, est-ce que les autres vous trouvez que le son est bizarre aussi? Question pour un moussaillon, dit Mick Zelda. Marcus, point de vie, moins 99. C'est la question double en authentification. Ok, le son est normal chez nous, donc c'est chez toi, Moto, que ça merdouille. Je me disais aussi que comme tu es le seul à le dire, c'était clair que ça venait de chez toi. Tu surveilles ton casque ou je sais pas. Désolé, ah mais oui, Stan, c'est lui qui vendait les bateaux. Ah, c'est drôle. C'est vraiment, il me parlait comme un vendeur de voitures, quoi. Et ouais, je voulais t'acheter un bateau, moi. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers. Okay, don't worry about it. I've already got. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. On avance quand même. A good price for any... Naturally, it'll have to be store credit. Est-ce que je peux le ressortir? Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer. It truly is. Warms me to think that you. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case. And escaping from some place. No thanks. Okay. Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui? Is there anything else I can do? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. Ah, si, y a que ça. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Ah bah voilà. Allez. See you later. Yep. C'est une bonne situation, ça, pirate? Oh, vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Ça pourrait tellement... Il fait de la technonique, le gars, oui, on est d'accord. Il a une façon de bouger. Ah, voilà une petite carte de plus. Très bien. On va aller voir... Word of advice, kid. Stick to the narrow straits. On va aller voir... Ah là, il y a la serrure. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ah, peut-être s'il y avait une loupe. Bon, allons voir s'il y a une serrurerie juste en face, après tout, il a dit. Chasser les mouches. C'est des vrais commères, ces pirates. I think it's a chandelier. Ah, serrurerie ici. Tant bien, c'est ouvert, même la nuit. Hi there, newcomer. Hi. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge? Is to lock the larger box inside the smaller one. Oh, ok. Ça a l'air bizarre son truc.
I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Oh, ok. Elle s'appelle Locksmith, donc c'est-à-dire serrurière, en fait. Une serpillière, non, on sait où la trouver. Vous pouvez vraiment fabriquer des clés pour avoir des choses. Ou alors c'est de la magie. Vous savez qui est la vieille dame à la fenêtre de la côté de la rue? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Est-ce que tu peux fabriquer des choses pour ouvrir cellule, par exemple? Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ah, faut que je trouve le numéro de série qui doit être inscrit sur le truc. Tente la serpillière, on sait jamais. On a vu une à côté, mais comment que ça se passe? Don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary. Like the bar, the docks. Ouais, ok, c'est là-bas que ça se passait. Ça me paraît incroyable qu'il soit possible de faire un double d'une clé juste à partir d'un numéro de série. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Ok, il me faudrait une loupe ou quelque chose pour pouvoir avoir le numéro de série sur la clé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des choses? Qu'est-ce que c'est cette machine? That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Vous essayez le broyeur de clé? Key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Je supplie. Comme ça, moi, j'ai aucune dignité. Seriously, I don't much care if you grind off a finger, but I don't want to have to clean up afterwards. C'est pas encourageant. Ok. Est-ce que les biscuits sont gratuits? Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Ah, mais il y a un petit perroquet au-dessus, j'avais pas vu. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. De l'autre côté, un livre. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Une carte au trésor. I see a peninsula trailing off into small islands. Bonne nuit, Lulu. Embrouille. Marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Ah, une carte à collectionner. Je prends. Prends un quiz Atari juste après. These are nice. Thanks. Ok, ça j'ai déjà vu. What's this key? That's for a lockable quiver. What's that key? That one is only for going in. Clé qui marche que dans un sens. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. Ah, ça m'intéresse ça. What's that key? That opens a long straight wardrobe for keeping long straight dresses. What's this key? That activates a mechanical Il y a quand même des tas de trucs. Please don't touch the glass. What's this key? That unlocks your house. What's this key? That activates a mechanical kettle. Ok, je pense qu'il fait le tour des réponses. That opens a long straight wardrobe for keeping long straight. Please don't touch. Ok, allez, on va aller voir dehors. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir réussi à avoir le numéro de série sur le petit truc qu'on a vu tout à l'heure, sur la porte de la cellule. Peut-être. Bah, je vais pas retourner là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le perroquet est raccord avec le cadeau. Mais oui, tout à fait. T'as vu, j'ai fait des efforts sur les cadeaux de ce soir. The note says forced to close. Thanks for the memories. The cash would have been better. Des graffitis bizarres partout. The note says forced to close. Thanks for the memories. But alors, je m'y perds dans ces ruelles là. Employees only. Une petite carte à collectionner, c'est toujours agréable. Ici, j'ai pas grand chose à voir visiblement. It seems to be stuck. Ouais, ça pas. Ok, c'est une ruelle, je suis coincé. J'aime bien la DA, dit Vlasser. Oui, oui, on est d'accord. Ça a vraiment de la gueule, je trouve. Retournons voir la prison, on va voir si je peux lire le numéro de série quand même. I
think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ouais, il va me falloir une longue vue ou quelque chose dans le genre. Une lampe de prison moche. At least the jail is well lit. Le fait que ce soit bien éclairé me permettrait-il de lire ? The worse it looks. Ok, donc trouver une longue vue ou quelque chose comme ça pour pouvoir lire le numéro de série. En attendant, je vais me promener. Est-ce que c'est pas le palais du gouverneur, ça ? C'est là, ça. Il y a plein d'endroits à aller déjà, là. Oh ! La classe. Ça a bien changé les bouquets de Baphomet. Guy brush Threepwood. J'ai rien fait. J'ai déjà pris quelques insultes, fais attention. Il doit y avoir bagarre. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Quoi, esbroufeur, je suis prêt à tout goûter sauf ta cuisine. Oh, c'est bien comme réplique d'insulte. C'était quand la dernière fois que tu elle avait des amis. C'est pas dans l'esbrouf que j'excelle, mais en escrime. Ah, je suis prêt à goûter à tout sauf ta cuisine, elle est bien celle-là. Ah, c'est bon de retrouver ça. Ok, il est avec des décors d'époque. Un peu facile, mais ça passe. It's nice to see you again. You too. Il n'aurait jamais dû recenser à ton titre de reine du sabre. Alors, c'est comment d'être gouverneur? J'espère que tu ne m'en veux plus pour ce qui s'était passé avec le bateau de l'info. Ça fait du chemin depuis que je t'ai trouvé ton premier poste pépère. Tu dire ça? You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, no, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. C'est vrai, on en a parlé. I assume you're involved with that somehow. Hélène est adulte, elle n'a pas besoin de moi pour gérer ses projets. J'ai mon propre projet sur le feu. Je ne suis pas automatiquement impliqué dans tout ce que fait Hélène juste parce qu'on est mariés. Hélène m'a dit que le programme était entravé par le capitaine Madison. Ah, ça c'est vrai. Allons-y. Bienvenue au château de Windsor. Aussi luxueux. Juste le funding public. La ville était dans un bind un while back. Et that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed. Au moment, dans le dialogue, je suis pas trop mal, il n'y a pas de blocage. Like bonne nuit, Vegeta. Bah écoute, reviens quand tu veux. Town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Tu la recherches secret de l'île aux singes. Le palais n'a pas beaucoup changé. J'aime bien ça. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now. Et c'est vrai qu'elle a piqué sa place. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. C'est tellement bien cette histoire de duel d'insultes. Je voulais savoir quoi répliquer à quel truc. Ah, c'est quoi cet animal là? I like your stuff. I guess it's a dog. Please take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible. Le comte de Whiskers. C'est curieux comme nom. J'irai le jeter, pas de problème. It's a lot of work being tous les animaux, les poulets en plastique et tout ça, ça me sert toujours. Ah, dès qu'on se parle, on sort les épées en fait. I don't really have anything to say. D'accord, c'est mon principe. This is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok, bon, moi, dès qu'on lui parle, animal, on va aller voir l'étage. Oh. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Ah, il y a plus moyen de changer les portraits. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Malaya. Peut-être qu'il faudra lui piquer les tableaux un moment et changer avec ce qu'on avait vu dans la cuisine. Elle a plein de livres dans le fond. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Mais c'est mon histoire. Can I borrow a book?
You've got a lot of nerve asking that. Est-ce que ça aurait été utile de prendre ce livre? I had to buy another copy. You never even apologized. Et combien vous voulez, je rembourserai, je suis désolé. M'excusez, je suis comme ça moi. I'm hearing the words, but somehow they are. On fait les portraits. I need more than that. Alors, est-ce que je peux prendre 1000 tours de vaudois réalisés chez soi, empruntés au bout de la planche, l'autobiographie de John Lanney, le voyage sans fin, l'histoire sans fin, le voyage infini. Ok. Bon, il n'y a pas un en particulier qui me plaise plus que d'autres. I've always thought this looked like my old ship, the sea monkey. Est-ce que ça pourrait pas faire une loupe? Donner la bouteille comme ça, est-ce que ça... Ah, je fais bouger le bateau en fait. Singe des mers, oui, c'est vrai. Bon, apparemment, je peux pas la prendre. Pas non plus les casser. Voilà. Mon portrait, il y a une petite épée à côté. C'est vrai qu'elle bouge sur le portrait. Edgy. Le portrait de son épée, c'est pas le... C'est pas la vraie épée. Ok. Renverse le temps, ça va faire des bulles comme dans le coca. Merci, Sox, c'est gentil. Alors, il y a encore un endroit qu'on n'a pas vu sur le côté. Ah, très bien, gros plan de l'île. Meathook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shore. Le fameux poulet en caoutchouc qu'on voulait mélanger avec une poulie. C'était quand même assez incroyable. Qu'est-ce qu'on peut aller faire dans la forêt? Une plante carnivore. A classic specimen of Alata nidlius, a carnivorous vascular dicot known for its. Qu'est-ce que je pourrais la ramasser? Non. Voilà, je comprends pas bien le. Pas bien le chemin. Oh, ils se connaissent bien en fleurs tout à coup. Au milieu, je peux pas y aller, on va aller par là. On aurait dû emprunter voyage au bout de la planche, c'est celui de la serrurerie. Oui, je suis d'accord. Mais t'as vu, elle voulait pas me le donner. Je suis d'accord que c'est la même que. Ah oui, d'accord. Et si j'ai pas de carte, je me perds là-dedans. Ah, le musée de la piraterie. Avec un petit bateau d'escalade. Si c'est pas mignon. I used to love these when I was six. Until I got trapped in one for two days. I think they're illegal. Un truc un peu traumatisant. Museum of Pirate Lore. Je pense qu'il va y avoir des. Que ça va parler de moi dans, dans ce musée. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Pirate matin. Take my business card. Très propre sa carte. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean, or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched. Dans la vitre d'à côté, c'est un bandeau sur l'œil, non? And my team, feel free to explore. Alors. There's some very tiny writing. Ah, il a vraiment des problèmes de. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est l'âge? What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. J'allais dire il va être jaloux, mais non, c'est lui. Letter. Unfortunately, I put the candle too close. Oh, elle a cramé sa lettre. Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. C'est dur. Est-ce que ce serait pas une longue vue au-dessus de ma tête? Ah, c'est une jambe de bois. Enfin, n'importe quoi. J'ai vraiment besoin de lunettes, moi aussi. Patty, she used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Cette vieille rame. That's a nice ore. The one with the coffin. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control.
Alors, bah voilà, un crochet de pirate. Ah, une petite plaisanterie au sujet du crochet. Crochet du gauche ou crochet du droit? Dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right. Ok, le cercueil, on l'a déjà vu. Parlons au perroquet. It's a working parrot. I shouldn't bother. On rappelle que ce soir, le meilleur pseudo repart avec un perroquet en nanobloc. Donc n'hésitez pas. J'ai déjà nominé quelques pseudos, mais il y en a d'autres qui peuvent surgir. N'hésitez pas, si vous venez d'arriver, faites un petit coucou et comme ça, je vois vos pseudos. It's a working parrot. I shouldn't bother. Ok, bon, c'est à part de vouloir me parler. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from Autocraft by Francis Drake himself. Ok. Merci, Unprotect, c'est gentil. J'aurais bien voulu ce... Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un... Grande valeur, c'est un bandeau sur l'œil. That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of a thousand faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though. And nothing happened. Un peu déçu. Bon, j'ai pas grand chose qui puisse m'aider. Un bout de vieille carte. That looks familiar. That's one quarter of the original map to the treasure. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was about all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Oui, bien sûr. Ça, c'est le monde moderne, ça. Le message que Jack avait laissé quand il avait enlevé Hélène. How on earth do you have that note? Oh yeah, that was found tucked inside. It's the actual note left by the ghost pirate. I know what it is. Il a vécu tout ça, lui. He handed it to me just before I finished. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I. Not that she needed it, as it turned. Wow, man, you're really into this. I've got a role playing group on Thursday nights. Très bien. You believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Ok, bon, on peut ressortir. Vous avez toujours le même livre depuis tout à l'heure? À gauche, là? Une petite carte à collectionner, on pourra vous refaire un petit quiz. Le mélange pour biscuits, ça va peut-être servir à droguer le perroquet, ou en tout cas s'en débarrasser. Et c'est tout ce qu'il y a. Ok. Si vous avez des idées, dites-moi, n'hésitez pas. Bon, là, j'ai pas de clé. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la plaque? Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate. Ok, on sort. Tiens, on n'a encore pas vu tous les environnements, c'est fou. Pas mal de trucs, là. Museum of Pirate. Il y a des yeux qui me regardent dans le noir, mais je pense pas pouvoir en faire grand-chose. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, en fait? On va avoir pas mal de trucs. It's soft and extra fuzzy. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. I've got a few coins for incidentals. Et pas mal de sous là. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ok. Moi, je suis un pirate ou un perroquet. Ça, c'est le poste de guet, c'est là où je suis arrivé. Et là, chantier naval. Ah, on va peut-être y trouver sa brosse à dents. Wow, that's worse than I imagined. C'est vrai que c'est un peu délabré. And it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ce serait parfait. The assets of this establishment have been seized to settle a. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait me permettre d'attraper une brosse à dents, vue d'ici? Peut-être avec la corde? Et la mélange avec le... Avec ça? Non. Ah, on voit tout de suite, en fait, si c'est mélangeable avec autre chose ou pas. Voilà, est-ce que je peux... Non, apparemment, je peux pas l'utiliser. Combien de temps pour finir? Je sais pas, parce que du coup je viens de commencer avec vous, donc on va peut-être le découvrir ensemble. So sad. Stan's... I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels. C'est vrai que c'était beau en plus.
Ça faisait partie des jeux les plus beaux, les point and click à l'époque. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Une chose étrange, une vieille éponge. Je prends. Je peux pas récupérer les seaux, c'est dommage. Est-ce que je peux aller au bout du ponton? Et regardez la lune, oh, c'est beau. Lune est plus grande de ce côté, c'est bizarre. Il y a un truc au sol. Une carte à collectionner, très bien. Alors, où j'en suis dans les cartes à collectionner? Alors, Ron Gilbert a commencé à travailler à Lucasfilm en 89, 86, 85, 84. Vache, c'est dur ça. Je pense qu'il était déjà sur Maniac Mansion. Donc, ça devait être en 85. Donc, il a dû commencer avant. 84. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être dur. Hein. J'ai toujours préféré Grim Fandango. Ah oui, ce car, excellent. Excellent Grim Fandango. 85, 84, Kiba est pour 85, avant 89, on est d'accord. Demande le 50-50, bah, demande le coup de fil à un ami, ça se trouve, ça tombe bien, j'ai 200 amis qui avec moi ce soir. 85, mon année de naissance, ouais, c'est la meilleure année, c'est l'année de retour vers le futur. Je pense qu'il travaillait déjà en 85, on a vu son nom en 85, mais est-ce qu'il y était dès 84? C'est pas improbable. Ce car est pour 84. Allez, j'essaie 85. Oui, les gars, on est trop fort. Hop. Ah. Combien les fenêtres du palais gouverneur sont illuminées? Ouf. Quoi? on ira voir plus tard. Est-ce qu'on peut répondre à celle-là? Les créatures maritimes aperçoit-on nager au loin depuis le nid de pie de Lutchi? Un kraken, une pieuvre, un requin, un barracuda. Pareil, on ira voir. Pas faire de bêtises. Laquelle de ces des propositions suivantes ne trouve. Attends, laquelle des propositions suivantes ne se trouve pas dans le parc? Un puits, une bascule, une balançoire, un ancre. Ancre, il y en a une, balançoire. Je crois que je l'ai vu. Non, bascule, c'est le petit cheval. Puis ça y est, donc ce serait balançoire. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y ait pas de balançoire? Faut t'attendre, dit bascule. Bascule, pour moi, c'est le petit cheval qu'on voyait qui était en haut à droite à côté du bateau. Est-ce que vous avez vu des balançoires? Bien pas. Allez-y, dites. Toujours plaisir d'entendre Lucas Art. Oui, c'est vrai, Bernard. Le puits, c'est sûr, puisqu'on a acheté une pièce dedans. L'encre, c'est sûr, on l'a regardé. Après, ça se joue entre balançoire et bascule. Il me semble avoir vu quand même une balançoire, et bascule serait le petit chevalier qui se balance. Obi-Wan Kenobi. Balançoire pour Clara, Kira. Mon cœur balance, les amis, donc bascule, j'imagine. Balançoire. Allez, vous êtes d'accord sur balançoire? Ah, oh, ça devait être l'autre. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a, perdu le quiz, c'est foutu, quoi. Ok, bon, on reviendra en fin de partie pour voir si on peut faire d'autres choses. Est-ce que j'ai regardé ce truc-là, la borne à marrage? Oui. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. This used to be such a bright, cheery place. Et oui, c'était mieux avant. Mais c'est pas mal maintenant. Je trouve que c'est vraiment drôle de retrouver ça. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out. Comment faire pour attraper sa brosse à dents? Là, on la voit, quoi. Peut-être un truc pour attirer, pour éclairer, et ensuite un truc pour attraper. La lune n'est pas ronde. Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait ronde. Quelqu'un a une idée pour la brosse à dents? Qui nous a demandé si on peut lui rendre service. Moi, je l'aime bien, Stan. I remember when this place used to be wall-to-wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. J'aurais bien fait un duel d'insultes. Déjà, il y avait un peu de ça tout à l'heure, quand même. Est-ce qu'on peut aller voir si on voit ce qui nage dans le lagon? Ah, une petite carte à collectionner, je l'avais pas vue. On verra à la fin. On verra avec un petit quiz. J'ai pas regardé le hibou.
I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Son sosie en animal. Pas grand chose à faire ici, je pense. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce pélican? Non. Mitch qui est toujours prêt à partir, on peut peut-être aller voir. Sur un malentendu. Il est chouette ce hibou. Bravo Tarjoul. C'était facile, mais ça marche toujours. Hey. Threepwood. I shouldn't even... Je ne suis pas. Je le ressemble un peu. I'm not Guybrush Threepwood. You'd be amazed how often. Sometimes I impersonate him at parties. Just for fun. We've never even met. And I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true. Allez, ça marche pas. One look at you and go nuts, just looking like Guybrush. Sorry. Faut vraiment que je me déguise, je pense. Est-ce que je peux aller lui emprunter la serpillière déjà? Attention, qui c'est qui a dit attention? Quelqu'un a pété un carreau là, j'ai pas rêvé, non? Allons voir s'il y a moyen d'emprunter la serpillière. Déjà, ça peut servir. Est-ce que je veux un type Zichlapi? Ah oui, oui, pourquoi pas. Bon, on n'est pas trop bloqué pour le moment. On va commencer à être bloqué, je pense. Déjà, on va voir cette histoire de serpillière. Admirer la serpillière. Well, it's definitely a mop. Ok. Alors, disparaître subrepticement la serpillière. N'y touche pas. You don't use someone else's mop. C'est personnel, une serpillière. Not as clumsy or random as a dish rag, an elegant tool for a more petite réplique piquée à Star Wars, ça vous donne des sabres laser. Succeed with the mop of another. I can't. You must construct your own. Ah mince, il va falloir que je construise moi-même une serpillière. That you will keep and use for a lifetime. Un vieux maître de karaté qui m'apprend à fabriquer mon arme. Once you build it. The mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? Oh, c'est Karate Kid. The wood is the heart of the handle. Les poils sur les bras. C'est élégant. Is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. D'accord. Alors, où est-ce qu'on a eu un arbre, les amis? Any questions? Comment puis-je trouver l'arbre à manche de serpillière? Pourquoi je peux pas acheter une serpillière tout simplement? Ce serait plus rapide. Exactly where it is, because this is your own. Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you OK, de quel type de bois s'agit-il? That is something you OK, va pas m'aider et pour le bout de la serpillière. The head of the mop. Oh, you have to have one of course, but pretty much anything will do. Ouais, ça va être les cheveux de quelqu'un. Are you sure I can yours? No. Non, il veut que j'en fabrique une moi-même. OK. OK. I guess I'll do it. Alors, un arbre? What's wrong? Où est-ce qu'on avait un arbre? You gave the story the wrong title. It should be la quête de la serpillière. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command and sail. J'aime bien l'idée de quelqu'un qui raconte une histoire puis qui peut un peu mentir et déformer l'histoire, ça. Je trouve ça fascinant en fait. J'ai fait Little Orpheus en level 1 et c'est un peu ça, c'est un cosmonaute russe qui disparaît pendant 8 ans, qui part avec sa fusée et quand il revient, la fusée avait à son bord une bombe nucléaire et la bombe a disparu. Donc il va falloir trouver pourquoi elle a disparu et si on peut la retrouver. Voilà. Et tout ça sous forme d'un interrogatoire avec un agent du KGB qui le maltraite un peu. Et il y a le côté un peu Baron de Munchausen avec le mec qui raconte sa vie quoi. En embellissant certains trucs. Donc j'aime bien l'idée. Really? Tu te débrouilles pas comme un manche pour cette arme. Dis-toi. Y a une sorte de manche de quelque chose dans leur soupe là. Non. Faut que je trouve un arbre. Est-ce que vous avez vu un arbre à un endroit?
que je pourrais couper. Qui c'est qui me proposait un indice tout à l'heure? Du coup, je veux bien prendre. Hein. Ah, je suis pas allé du tout là. La carte à plus. Ils sont malins. Hey, Wally. Well, well, well. Look what the sir. Nice to see you again too, Wally. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because. Oui, j'ai pas fait exprès. Yeah. Good times, huh? You're lucky I'm past all that and I'm running the best map shop within the Caribbean. Ah, je suis pas sûr qu'une carte me soit bien utile, mais. Ah, une carte de l'île aux singes, par exemple. Happened to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Ah, est-ce qu'un arbre? On va demander, on se rabattre sur l'arbre. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual. Been a while since I made one of those mop tree maps. What? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. D'accord. Redis-moi de quoi tu as besoin pour me faire une carte menant à l'arbre à balai. Bah, un bout de cet arbre. C'est ça. Tell me again what you need. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bon, un petit bout de sa serpillière de l'autre là. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing. And dark magic, voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Voodoo a remplacé la sorcellerie traditionnelle, c'est pas beau ça? Ou suit l'appel de la forêt pour l'arbre à manche, Marcus. Ah oui. Magnifique point and click, on est d'accord, Cuban 6. C'est vrai que ça fait plaisir de trouver des trucs de cette qualité-là. Allez, je vais sortir, on va essayer de trouver l'arbre. Un Woodstock pour l'arbre à manche. Attendez, parce que là, on n'a pas trop regardé. Un éventail, un monocle. Ah, le monocle. They're like glasses, only way less convenient. Je vais peut-être pouvoir lire. Look behind you, a three-headed... Ah, le fameux singe à trois têtes. Parfait. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Ok, je me suis fait griller. Mais du coup, je peux le garder. Plutôt bien. Ok. Donc, je vais peut-être aller lire le numéro de série de l'autre côté, à la prison. Ensuite, j'irai chez le serrurier. On trouve un manche à balai. La liste des courses est un peu étrange, mais c'est pas grave. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. La faire là, voilà. Jail is like a bad breakfast. Alors, où est small, mon monocle? Greasy and hard to swallow. Oui, ça marche. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Parfait, mais il est parfait ce Guybrush. Et oui, j'ai trouvé ça tout seul. Pas si difficile. Et on a pris le mode difficile. On aurait pu aller peut-être plus vite. Hello, Mr. Brush. Hi there. Alors, il parle à elle. Hello again. Ah, faut que je lui donne. C'est pas dans le dialogue. Faut que je sorte de mon inventaire. Et donc, j'ai ce numéro de série. Et je le donne à la dame. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. La gueule de la machine. I use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Et ben voilà, et c'est dans mon inventaire direct. Mais oui. Admirer, attendez, on va admirer la clé de la cellule. C'est presque trop facile, je suis inquiet. Allons-y. Merci pour les follow, les gens qui arrivent. George Roth. Elle est à la prison. Hey, Guybrush. Hey, kid. Alors, je prends ma clé toute neuve. Darn it.
I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start Il est en train de compter les araignées. The authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. L'autre, il voulait pas sortir, donc on le laisse. The authorities, and will not mention their name should any awkward questions be... Good luck, Stan! I hope you get acquitted. Oh, ah, peut-être plus m'aider. Bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Mm-hmm. Et ben j'aurais rien gagné à faire évader Sam, visiblement. Alors après la serpillière, le bois de serpillière. Est-ce que je retourne chercher une serpillière? J'ai dû prendre un petit bout de bois. Attendez, il y avait un truc devant la porte. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait cassé un truc par terre là, non? Un bout de bois par terre? Non. Alors allez-y si vous avez des idées. Va dans la forêt. Bah oui. Ce qui est logique. Je prends pas. Je vais quand même revoir cette serpillière de près. Je pourrais prendre un tout petit bout de bois. Oh, il est nouveau lui. Fancy. Très belle bougie. Fancy. C'est tout ce qu'il y a à lui dire. Ok. Well, it's definitely a mop. Je peux pas lui prendre. Stay away from my mop. Non, ça marchera pas. Vous avez dit la forêt. Moi, je vous fais confiance. Il faut que je retourne sur la map. Est-ce que je peux accéder à la map directement? Non. Pas. Ah. Oui, on va sortir sur le côté. C'est bon, mais c'est loin. Il est de quand celui-ci? Ah bah celui-là est tout neuf, il est d'hier. Donc il est tout frais, sorti du four. On peut y aller. C'est vraiment du tout neuf. Le musée, on l'a vu. La forêt, on y retourne. Est-ce que le panneau peut suffire? Ah oui, il faudrait que j'ai une carte. Prendre du bois de ce bateau, ce serait bizarre. J'ai pas de quoi casser du bois là. Ah, il y a des indices, on n'a pas regardé encore. C'est à l'intérieur du musée des pirates. Allons-y. Le plus, c'est pas justement d'avoir la carte pour trouver l'arbre dans la forêt. Eh si. T'as raison. Mais la carte, alors elle et lui, ils vendent une carte, non? Tell me again about the map. That's one quarter of the original map to the treasure of Big Whoop. Big Whoop, j'en ai plus besoin maintenant. Que le parquet veut bien me parler. Il est où? Il est là. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Bon, non. Merde, va pas être là. Ici, j'ai déjà visité. Ça sert à rien. Allez, Marcus, parle-nous des influenceurs. Je me suis bien énervé la semaine dernière. J'ai décidé d'être plus calme cette année. Chez les niveaux doux, tu penses, Johan? Ok. Je vous écoute. Moi, je suis prêt à prendre toutes les propositions, sachant qu'on a, je pense, à peu près vu tous les endroits. On pouvait voir. Ah, j'ai pas vu. Il y avait quand même un petit passage là, dans le fond. Ouais, que les plantes carnivores. J'avais ramassé les petites violettes là, ou je sais pas ce que c'était. Là, je suis pas venu encore. Admirer les fleurs violettes. On lance vraiment dans l'étude des fleurs, visiblement. Ouais, non, je me perds, ça me ramène toujours au même endroit. Alors, je peux aller au palais du gouverneur. Rue basse, rue haute. Ici, c'est chez le Chuck.
Ça, c'est mon point de départ, le poste de guet, le bateau de Stan. Je ne sais pas où aller, ça sent le sapin cette fois. Rue basse pour Schlappi. Faisons plaisir à Chappie. C'est vrai que j'ai peut-être pas tout exploré dans la rue basse. Alors. Chez le vaudou, on y va. Quelqu'un voulait retourner chez le vaudou? Un coffre, un truc avec plein de clés. Beaucoup d'alcool, on avait dit qu'on était chez Depardieu tout à l'heure, mais rien sur les serpillères ou les cartes. J'ai rien à acheter dans ce bassin qui soit utile. Ah, mais j'ai ma carte d'indice. Attendez. On va voir comment ça marche. Comment puis-je obtenir un serpillère? Ouais, serpillère. Que veux-tu savoir à propos de la serpillère? Comment puis-je obtenir un échantillon de bois pour ma serpillère? Très bonne idée. Je vais devoir en obtenir un échantillon de bois de serpillère existence. Ah! Donc je prenne un échantillon de bois sur la serpillère de la cuisine. C'est la seule qu'on a vue jusqu'ici. Où as-tu déjà vu une serpillère? Dans la cuisine, in the kitchen. La serpillère dans la cuisine du Scumbar, tu devrais pouvoir l'utiliser pour prélever l'échantillon. J'ai besoin de quelque chose de coupant pour tenir un mordre. Ouais, ça, je suis d'accord. Ah. Cherche un objet coupant dans les boutiques de la ville. Dans le magasin Voodoo. Ah, allez. Ne fais pas plus aider. Des déguisements, mais oui. Pourquoi j'avais pas ça depuis le début? Ah, c'est dommage. A magic disguise seems... There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. Je peux essayer de voler le cache-œil. Ah, ça y est, on avance, les amis. On commence à avoir pas mal d'objectifs. Donc le truc, c'est de pas courir tous les lièvres à la fois. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Qu'est-ce que c'est là-haut d'ailleurs? Ah, bien voir. Alors, des paniers. Est-ce que ça, on considère que ça coupe? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. Bon, ça peut couper la peau de lézard, ça m'arrange. Une grande bouteille, une tête réduite. It's a creepy shrunken head. Une longue chevelure filasse. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Ok. Ça, ça brille. Statue, ça coupe pas. Peut-être prendre une bouteille et la casser. Not very practical. Même si c'est pas génial pour couper un bout de serpillère derrière. Bouteille sale. Been there forever. Pas de bouteille de tous les. I'm not gonna touch it. J'ai rien de coupant là-dedans. Ah, attendez, il y a un petit poignard là au premier plan. J'ai pas vu. Il a l'air très aiguisé. Il me le faut. Oh, parfait. Échange de quoi? Oula, ça sent pas bon la décharge de responsabilité. Salut Meg. Couteau en bas, voilà, tout à fait, je l'ai vu au dernier moment, pardon. Oh, d'accord, je suis obligé de signer avec mon sang quasiment. C'est incroyable. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope. Oh, okay, I guess. The product is not. Okay. Mais carrément. 8 pages de mode d'emploi signé avant de. Oh la vache. Keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked secure. The manufacturer. Oh la vache! Oui, il y avait 20 km de trucs. Oui, j'ai dit oui, moi. Tous les trucs sur internet qu'on lit pas en cliquant oui, ok. Juste pour s'en débarrasser. Voilà, bon, j'ai signé son truc. Il y avait un autre truc là au premier plan. C'est un faux nez? What's this thing? It's a forgiveness frog. D'où de pardon? When your apology will do, give the forgiveness frog. Qu'est-ce que c'est que ce soit? Une carte d'excuse, mais en mieux. Une grenouille. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me.
I'll take this forgiveness frog. Alors, en échange de quoi? Ah bah juste de l'argent, parfait. Une grenouille à excuse. Très bizarre, mais pourquoi pas. Ah, c'est messe du dindin, très bien, je vais... Ouh, quelle heure il est. Oh oui, il va être l'heure d'aller se coucher, les amis. Oh, on va quand même résoudre cette petite énigme. Je vais retourner à la serpillière. Et on va lui au moins couper un bout de serpillière. Ce serait déjà pas mal. Après quoi, effectivement, on va s'occuper de nominer la meilleure vanne et le meilleur pseudo. Avec des beaux cadeaux ce soir, vous avez vu. Alors, allons-y. Hop, discrètement. C'est pas évident, mais... Discrètement, j'ai mon petit couteau bien aiguisé. Et je taille un petit manche de serpillère. Ah, il est pas d'accord. Oh, il se gratte les fesses avec la cuillère, c'est magnifique. Alors, ça n'a pas marché. J'arrive à détourner son attention. Est-ce que vous avez une idée pour détourner son attention? Ah non, je voulais pas sortir. Je voulais rester là-dessus. Petit couteau deviendra grand. Voilà. Stay away from my mom. Comment faire? Peut-être je pourrais l'attirer dehors avec la mouette ou quelque chose comme ça. Regarde toi, Marcus, c'est la trois têtes. Ça marche. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. S'il a peur d'un client. The only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called. Okay. Ça peut être facile. It has ingredients. Ah, il y a des ingrédients dedans, mais il sait pas quoi. Où est-ce qu'il a dit qu'il allait manger le plat que tu veux que tu prépares? Si je t'amenais une recette, tu penses que tu pourrais la préparer? Regarde sur toi un singe à trois têtes. Je vais essayer. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Ouais, non, ça aurait été chaud de toute façon. If I brought you a recipe, could you make it? Of course, I'm a cook. See the hat? Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky. Ah, faut peut-être que je pique un livre de recettes. I'll see what I can find out. Chez la gouverneuse. Allons-y. Et pendant ce temps-là, donc il fait le voyage. Je regarde le SMS pour récompenser la meilleure vanne et le meilleur pseudo de la soirée. Il y a eu du lourd comme toujours. Jamais déçu avec vous, c'est ça qui est quand même fabuleux. Alors, on retourne chez le gouverneur, c'est beau, mais c'est loin. Pas si loin que ça, mais il faut y aller quand même. Ouais, là, je cours vite. Alors, les amis, les meilleures vannes et les meilleurs pseudos pour ce soir. M'envoyez le dindin. Allons la voir. Est-ce que je peux... Attends, je regarde les livres de recettes. Ah, ingrédients de Barbie le Flay, ça c'est pas mal. Ça c'est pas terrible. Le grand atlas, des cartes au trésor. Ingrédients, c'est quand même le mieux. Ouais. Can I borrow a book? Alors, elle va être d'accord. Alors tout à l'heure, je me suis excusé. Je vais dire, j'ai complètement oublié. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Oh, je me fais vraiment mettre tous les noms. Je recommence avec ingrédients. Ah, l'excuse de la grenouille. Bien joué, Chaplin, mais oui. Ah oui, c'est pas dans les dialogues, c'est dans le menu. Mais il faut que j'épuise peut-être toutes les excuses. Jusqu'à ce que, effectivement, je puisse sortir ma grenouille. Dit comme ça, c'est dégueulasse, mais je vois l'idée. It's a cookbook. It has four stars, but it... Ok. Can I borrow a book? Après, j'arrive au cours d'excuses. Il est temps de sortir ma grenouille. En tout bien, tout honneur, bien entendu.
Salut, Georges Roth. Il va falloir s'excuser vraiment, hein, tu crois? C'est possible. Je suis désolé, c'est le premier truc que j'avais dit. Les pseudos. Le nem du porte-salut Chice. On comprend le début du pseudo, pas la fin, mais il est rigolo. Le lapin paraplégique, je n'avais pas vu. Et mon zindin me dit que les autres ne répondent pas. Ah mince, zut. Il n'y a pas quel pseudo j'avais nominé. Il y avait papa, laisse jouer papa, ou un truc comme ça. C'est rigolo. Écoute, s'ils répondent pas, on va faire entre ces deux-là. Je vais dire je suis désolé, pendant qu'ils se battent. Et ben le lapin paraplégique, c'est quand même... C'est triste, mais ça mérite un petit cadeau, non? Ça mérite un perroquet. Allez, le lapin paraplégique, c'est toi qui vas repartir avec ce magnifique perroquet en nanobloc. Voilà, je finis le « je suis désolé ». Je vais tenter de sortir ma grenouille et ensuite on définira qui avait le plus beau qui a fait la plus bonne vanne ce soir. Alors, dans mon truc, j'ai une grenouille... Essayez de me souvenir pourquoi une grenouille dans la poche. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Allez, viens. Hey, ça a l'air de marcher. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. Ah, c'est peut-être bon à savoir dans la. To write anything personal on this frog. Dans la vie. That's just rude. I reject your frog. Eh bien, je vais écrire quelque chose de personnel, j'ai une plume, justement. Donc, je vais prendre mon stylo haut de gamme, et je vais écrire quelque chose de personnel sur la grenouille. Et ça, c'est relativement logique, une fois qu'on est dedans. Chère Hélène, chère Wally, chère Carla, à la personne qui va lire. C'est Carla, elle, on est d'accord. Hélène, c'est notre chérie, Wally, non. On est d'accord que c'est Carla? Une plume dans le cul de la grenouille, ça serait pas mal. Punaise, Alexa vient de se renclencher, elle vient de répondre bonjour, je suis là, Marcus. Ah, mais j'ai dit Carla, j'ai pas dit Alexa. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Carla son prénom? J'ai un petit doute. Oui, Carla, tout le monde est d'accord. Non, pas Alexa. Attends, parce que sinon ça va se déclencher chez vous. Carla Gerfeld, oui. Oh, bien joué, Nico Perron. Dear Carla. Désolé de t'avoir fait sauter cette fois-là. Désolé d'avoir oublié ton anniversaire. Désolé d'avoir oublié notre anniversaire, d'avoir perdu le livre que tu m'as prêté. C'était ça, mon excuse. Sorry for losing the book I borrowed. Je réalise que tu es dur avec la dureté, oui, c'est son slogan. Ah, c'est bien ça, dur avec la dureté, c'est son slogan sur l'affiche. I realize that you are forcément, ça va lui plaire. Comme démontré par tes actions à Santa Domingo, à Santa Catalina, à Port Elizabeth, à Portobello. Ah, alors je me souviens plus. Santo Domingo? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne prononce plus le nom de ton Google Home là. C'est promis. Portobello du Giorgio Roth. Ah là, je me souviens plus. Tout à l'heure, il y a eu ça dans un dialogue, mais. T'as une grenouille de rechange, j'espère, au cas où. Au cas où. Ok, allez, je balance Portobello. On verra. Please accept my humblest apology. Même si t'es pas vraiment ma faute, je te promets de faire mieux à l'avenir. J'ai mis en place un système de rappel, j'entends par exemple. Je promets de faire mieux à l'avenir, ça suffira. Bon, j'espère que s'il y a une phrase de... Enfin, en phrase de bonne sur 4, ça ira, quoi. Allez, j'offre ma grenouille. Avec... Le mot d'excuse fort bien rédigé. Voilà. This is for you. Est-ce qu'elle va bien le prendre? Ou est-ce qu'elle va ressortir le sabre? Dear Carla. I'm impressed, Guybrush. Ah. Surprisingly thoughtful. Ah. Considering it's you. Ça peut marcher. I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time. Oh, ça finit bien, ça finit par un truc presque romantique. Alors du coup, je peux emprunter ingrédients. Can I borrow this cookbook? Allez, c'est reparti pour la bagarre. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, bien. Right.
I was upset after you lost the last one, but you seem genuinely sorry. Ah, so ça c'est I gentil. Guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Et ben voilà les amis. Oh non, mais qu'est-ce qu'on avance? On va finir en beauté la soirée avec une serpillière. Hop, je retourne à la rue basse, hein, c'est là où il y avait le... non, c'était avant. Le scum bar. On va voir notre ami le cuistot. Et on va lui filer le livre de recettes. Ça doit être un critique gastronomique, celui qui est là-bas avec sa bougie, là. Un peu mieux servi que les autres, visiblement. Alors... il est où ce bouquin? Ah. Ah oui, bon bah c'était facile pourtant. Il était en bas. Tiens, prends ce livre. I found this at the governor's mansion. The mystery ah, bien, vas-y, lis-le. Occupez ta serpillière pendant ce temps-là. Et je m'occupe des vannes de ce soir. Surveillez les dialogues pendant ce temps. Il y avait et mon kiss. C'est du poulet. C'était facile, mais ça marche très bien. On ouvre les vannes. C'est parti comme ça direct. C'était très drôle. Petit clin d'œil à Clo-Clo quand j'ai parlé d'électrocuté. Le mode Marcus, c'était une bonne proposition pour un mode de jeu. On a pris difficile. C'est pour ça qu'on a pas avancé très vite. Le bitcoin qui venait des toilettes, c'était vraiment cocasse. Et en croisière, et il y aura une soirée mousse. Oh là là, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé l'idée, on ouvre les vannes, ça tombait bien en fait. Tout de suite. Ah, tout était bien, comme d'habitude. Vous êtes pénible d'être aussi drôle les amis, c'est dur de choisir. Allez, on ouvre les vannes, ça ouvrait la soirée, c'est tombé comme ça direct. Et c'était une vanne de Marker 831. En plus, un petit nouveau qui n'a jamais gagné, je crois pas. Donc, Marker, bravo! C'est toi qui vas repartir avec ce superbe bateau pirate. Je vais le mettre en full cam pour que tu puisses le voir. Regarde ça. Incroyable. Lui, il est énorme. Voilà. On le voit mieux peut-être de ce côté-là. Très détaillé. T'en as pour des heures, à mon avis. Mais ça va être cool. Donc bravo à toi, bravo. Ça fait partie des beaux cadeaux qu'ils avaient envoyés, mes amis de Nanoblock. Donc ravi que ça y a une très bonne vanne. Alors pendant ce temps-là, le cuisinier est en train de préparer son truc. J'en profite subrepticement pour prendre le couteau. Et pour tailler le manche de la serpillière. Ah bravo. Oups. Oh well, probably fine. Parfait. So much to do. Parfait. C'est ce qu'il faut pour faire... Oui, j'ai mon bout. Mon bout de morceau de bois. Très bien. Oh, eh ben, je vais presque pouvoir faire ma serpillière. On va s'arrêter là, les amis, pour ce soir. En tout cas, c'était cool. Est-ce qu'on continuera une autre soirée? La semaine prochaine, on va aller faire l'andouille avec l'ami Fred Zolf. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais aller près du fantôme de Chuck pour finir la soirée. Un bel endroit. Oula, c'est classe là. C'est beau avec cette petite fumée. Donc ça va, on ferme les vannes. Oui, t'en joues tout à fait. Elle méritait celle-là aussi, j'avoue. J'avoue que c'était très bien. Donc la semaine prochaine, on se retrouve avec Fred Zolf sur son chat. Alors vous pouvez venir sur sa chaîne, donc vous pouvez venir ici. Mais je hosterai, donc vous verrez le truc. En revanche, si vous voulez faire des commentaires, intervenir, il faudra aller sur le chat de Fred parce que du coup, je ne verrai pas mon chat à moi en même temps. Donc n'hésitez pas, ce sera un livre dont vous êtes le héros, un vrai, avec des pages et tout. Donc on va essayer de faire ça peut être, je trouve, assez rigolo. Et je compte sur vous pour m'aider évidemment à faire les bons choix. C'est pas forcément évident. Donc ça sera jeudi prochain. Mercredi, on se retrouve comme d'habitude sur Game One avec Level One. Enfin, le jeu d'aspirateur. Je sais pas si je le ferai en direct ou pas, on verra. Je ferai peut-être mon Kylan en direct. Du coup, je sais pas, est-ce que je referai une séquence qu'on vient de voir? Est-ce que je vais avancer encore un peu? On verra, si vous êtes sage. En tout cas, je suis là mercredi, et on se retrouve tous les jeudis, comme d'habitude. Voilà les amis, c'est tout pour ce soir. On va voir s'il y a des amis en ligne. Je crois que le joueur du grenier est en ligne, si mon truc est bien rafraîchi. On pourrait envoyer chez l'ami Fred. Attendez, je regarde.
qu'il est vraiment en ligne. Mais oui, avec Caribs, Seb et Antoine, et ils font Sea of Thieves. Ah ! On resterait dans le thème des pirates. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et Antoine, Daniel aussi est dans... Alors en fait, ils sont tous ensemble dans Sea of Thieves. Ça y est, j'ai compris. Peut-être même Mister MV. Non, il fait des jeux français, ça peut être sympa. D'ailleurs, il faudra que je vous parle d'un jeu qui s'appelle Runners, que j'avais essayé à Tours et qui est vraiment génial. Ils m'ont recontacté et vraiment, le jeu est super et une course vraiment bien foutue. Ils vont rajouter mon perso dedans, donc ça peut être très drôle. Et vraiment, de base, même si je suis pas dedans, le jeu est très très bien. Une petite course avec en multijoueur, vraiment très bien. Ça m'a rappelé Towerfall Ascension ou des trucs de ce niveau-là. C'est pas tous les jeux multijoueurs qui atteignent ce niveau-là, mais eux, et la démo, il l'avait atteint tout de suite, ce niveau. C'était joli, c'était drôle, c'était rapide. Vraiment, j'étais bluffé par ce truc. Donc voilà, Runners, il est déjà sur Steam, je crois, ou en tout cas en accès anticipé. Allez voir et on en reparlera, je vous en reparlerai bientôt. En attendant, allons voir l'ami Fred, qui joue au pirate. Voilà, on reste, c'est la soirée thématique pirate, ça paraît plutôt une bonne idée. Et puis, bah voilà, moi je récupère mon stream à moi. Pour pouvoir cliquer sur les bons trucs. Voilà. Bah bonne nuit les amis. Merci encore d'avoir été là. Encore un bon anniversaire au Goldorf, mais je crois qu'il est allé se coucher. Merci à mon dindin d'avoir veillé sur nous ce soir. Comme toujours, fidèle au poste dindin, incroyable. Bien, merci au Timursan aussi, j'ai pas vu, mais je pense qu'il était dans le coin. Lui aussi s'occupe de son petit. Merci au Genius d'être passé. Merci à mon Sneku qui continue infatigablement à mettre en ligne les chez Marcus de No Life. Et on est à jour dans Twitch, donc ça va aussi, c'est cool. Grâce à lui, ma chaîne YouTube avance. Je suis sur TikTok depuis samedi dernier. Venez me voir sur TikTok. C'est toujours Marcus The Boulet, mon pseudo, donc n'hésitez pas à passer. C'est Kayane qui m'a convaincu que si on voulait pas laisser TikTok aux meufs de 12 ans qui se trémoussent le piercing, il fallait qu'on y aille nous-mêmes faire des contenus un peu plus intéressants. C'est pas encore très intéressant le contenu que j'ai mis, c'était juste pour le fun, mais ça viendra. J'ai 2-3 idées et je pense qu'on va pouvoir se marrer sur TikTok. 2-3 idées de trucs qui pourraient être assez rigolo, ou faire voir les coulisses de Game One, faire des questions de merde, vous proposer de répondre à des questions de merde, ça peut être assez marrant. Enfin voilà, plein de petites idées. On en reparlera. Marcus The Boulet, comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, voilà, c'est mon tag. Donc n'hésitez pas à y aller. Je deviens TikToker, exactement. Et puis surtout, j'ai des amis TikTokers que j'ai recroisés à mon Galaxy Valence, et qui m'ont dit mais oui, viens, tu devrais y aller, c'est trop drôle. Et il y avait Apollon, Artemis et tout, ils sont vraiment adorables. Ils sont très très jeunes et ils sont pleins de passion, de fougue, et j'aime ça, ils ont du mordant, j'aime bien. Et ils ne se trémoncent pas le nombril, ils font des petits trucs très sympas, donc voilà, ça m'a donné envie, on a un peu discuté et ils m'ont un peu parrainé. Vous verrez la première vidéo, c'est avec eux. Marcus, ça y est, il a enfin TikTok, miracle. Le vieux boomer qui débarque dans le game, c'est assez drôle. Donc voilà, je leur fais des bisous au passage, grâce à eux, ça y est, je suis sur TikTok. C'est Kayane qui a allumé la mèche. Après, j'avoue, Francis a bien aidé aussi. Merci, Marker, c'est gentil de t'abonner. C'est pas parce que t'as un cadeau que tu dois t'abonner, hein, y a rien d'obligatoire. Bon, t'auras le cadeau quoi qu'il arrive. Et donc voilà, Francis, mon community manager aussi, a bien poussé à la roue pour que ça se fasse. Greg, mon ami Greg aussi a poussé. Donc voilà, depuis samedi dernier, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Et je vais essayer de faire des trucs un peu sympas. Je serai sûrement pas très présent parce que un autre truc à faire, mais ça peut être rigolo quoi. Voilà les amis, allez, changeons TikTok. Ça fait de bien, c'est le début de la révolution. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous laisse avec l'ami Tom Novembre pour le générique et ensuite on va aller faire un tour chez le joueur du grenier. Ce bon vieux brigand de pirates. Bonne nuit à tous, bonne nuit Kera, bonne nuit à Moto, j'espère que le son allait mieux sur la fin. Bonne nuit James la Saturn, même si j'aime pas prononcer ce mot, mais il me connaît bien, il le fait exprès. Bonne nuit le suppôt de sa tante, bonne nuit mon Seb Meister, ma petite Alex Kawaii, bonne nuit, ma petite Jade, bonne nuit, Mick Zelda, bonne nuit, mon Sneku, bonne nuit Bénur Marcel, oh, j'avais raté ce beau pseudo en hommage à Jean-Yann et Coluche, bravo. Référence de vieux, où vous googlerez. Bonne nuit Eurixis, bonne nuit Sullivan, bonne nuit mon petit Vlacero. Boko Sainte, bonne nuit. Bonne nuit à Perceval le Gallois aussi. À Tomouf, à Penny Elf. Sullivan, mon petit concombre masqué aussi. Oh là là, ça, toutes ces bonnes têtes. Ça fait plaisir. 2h15 avant Jésus-Christ, Sullivan. Oui, non, mais il n'y a que des vieux ici. Donc les références de vieux, ça c'est bon. Tout le monde les a, ce qui est assez incroyable. Voilà, allez, je repasse en full cam pour vous faire un dernier petit bisou.
Et ensuite, j'envoie la petite chanson de l'ami Tom. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit sur Twitch à 21h30. Et sinon, la veille sur Game One, de 16h30 ou 16h, je sais plus. 16h. Ouais, 16h jusqu'à 17h30. 17h30, c'est level 1. Putain, je connais même pas les horaires de mes propres émissions. C'est grave. Et cette fois, pas de bug. C'est promis. Je vous fais des gros bisous à tous. Soyez sages. Allez Tom, chante-nous ta petite chanson et à la semaine prochaine. Ciao. Salut les petits amis, salut, salut. Du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, de Frozen Lazarus, qui danse la Chewbacca entre deux balles bitales. C'est le Marcus, Marcus, de Frozen Lazarus, ton ami pour la vie. Level One, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Et des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus.